Bonjour à tous. Alors là, les amis, vous avez vu, on est en compagnie toujours du poteau de Biggie. Comment vas-tu, Biggie? Très bien, merci. Et toi? Bon, ça va très bien. Et aujourd'hui, pour le 12e épisode de Nos Premiers Souvenirs avec, on va parler d'une console qu'on affectionne, la dernière console de Sega, la Dreamcast. Et pour ça, on est en compagnie d'un invité surprise qui est DG de la chaîne Padawan HD. Comment vas-tu? Bonsoir messieurs, rebonsoir si vous débarquez dans notre souvenir. Je vais très bien et vous, comment allez-vous? Très très bien, ça fait plaisir DG. Ça fait très plaisir, surtout pour parler de la Dreamcast, parce que je n'ai jamais fait de vidéo dessus et ça va nous replonger dans pas mal de souvenirs. Super. Ouais. Voilà, c'est comme tu l'as signalé, beaucoup de souvenirs. C'est une console qui date de 99 en France en tout cas, 98 au Japon. Donc on était quand même tous les trois suffisamment grands pour vraiment avoir pu apprécier, on va dire, la console dans son jus, dans son temps. Et du coup, je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Une sélection qui était, parce qu'on a un peu travaillé ça en amont, difficile. Il y a tellement de bons jeux sur Dreamcast, tellement de bons souvenirs. Et malheureusement, ce n'est pas suffisamment vendu, hein, ce qui a fait que ça a un peu clôturé le hardware Sega, en tout cas, parce que Sega a continué ensuite dans le jeu vidéo tout de même. Et du coup, on va évoquer pas mal de choses. Alors déjà, on a toujours pour habitude de commencer notre vidéo en posant une première question à notre invité, ouais. qui est la suivante. À quelle occasion tu as découvert la Dreamcast? J'ai découvert la Dreamcast avant vous, les gueux européens, parce que j'étais à Singapour en 98. Et j'ai eu la chance, une fois, j'allais dans un petit magasin qui piratait les PlayStation. Parce que comme tout le monde là-bas, j'ai piraté ma PlayStation dès que j'ai pu pour acheter ensuite mes jeux à 2$, ce qui m'a permis d'avoir une ludothèque de fou sur Play. Et il se trouve qu'un jour, je ne sais plus ce que j'allais acheter et je vois la Dreamcast dans ce magasin. Mais tu sais, elle était sous verre, donc tu ne pouvais pas y toucher. Et contrairement à nous qui avons eu la spirale bleue, il y avait la spirale orange. Et moi, ce qui m'a fasciné, parce que j'avais 12 ans quand j'ai vu ça, c'était en 98, il y avait le diamant rouge. Et je me disais, waouh, elle est trop belle. Et il y avait Sonic Adventure qui tournait dessus. Ça m'a fait baver. Mais malheureusement, je n'ai eu la Dreamcast qu'en été 2000. Donc 2 ans à baver, je savais que c'était la console la plus puissante. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, on était encore avec la 64, la Saturn et la PlayStation. Et la Dreamcast affichait des graphismes de malade. Ouais, j'ai bavé pendant 2 ans. Et quand je l'ai eu, c'était la fête. Oui, c'est ça en fait. Ce que tu dis, c'était la première console de la 6e génération, 128 bits. Ouais. On va dire la plus puissante sur le marché à ce moment-là, c'était la N64, hein, console ouais. cartouche. Et effectivement, elle est arrivée et puis elle était costaud, hein, la Dreamcast. Hein. Ça, c'est clair. Donc, tu as bavé 2 ans avant de pouvoir l'acquérir. Là. Et elle, surtout qu'elle était chère. Je me souviens, une fois, j'étais à Rouen en vacances quand je revenais en France. Ah, bah, Rouen, c'est ma ville. Ah, c'est vrai, c'est marrant parce que mes deux parents sont originaires de Rouen. D'accord. Passé beaucoup de temps à Rouen, mes grands-parents vivaient. Et une fois, j'étais dans un magasin de jeux vidéo, je ne sais plus lequel, ils vendaient la Dreamcast en import Jap, 5000 francs. 5000 francs. Autant vous dire que personne ne l'avait en France, enfin très très peu de gens. Et à Singapour, pareil, parmi les potes, personne ne l'avait acheté. Il faut dire qu'il y avait peu de jeux, pour ceux qui ne parlaient pas japonais, il y avait peu de jeux qui pouvaient potentiellement nous intéresser. Ouais. Le line-up japonais, il n'était pas très bon. Il y avait Godzilla, Pen-Pen... Des jeux vraiment très limite, peut-être Boostinger, ouais. J'ai un doute. Ouais, je sais que Sonic Adventure était déjà là en 98. Ouais. Ou alors c'était peut-être tout début 99, mais il arrive assez vite. Alors ouais, en Jap, c'est entre les deux, je pense. Et il faisait par contre partie du line-up en France, en tout cas, Sonic Adventure. Ouais. Mais ouais, le magasin dont tu parles, à mon avis, ça doit être Open Game, ça doit être un magasin sur Rouen droite. Parce qu'il y avait deux magasins de jeux rétro dans les années 90. Donc, ça devait être l'un des deux. Ils étaient quasiment côte à côte. Je pense que c'est un magasin qui a dû disparaître parce que la dernière fois que je suis passé à Rouen… Ils ont tous disparu. Il en restait, la dernière fois que je suis passé, c'était il y a 2 ans, je pense. Oui. Il restait Master Game. Apparemment, ça a fermé malheureusement parce que je connaissais très bien Olivier qui était adorable. Ouais,
C'était ouais, c'était mince. Il y avait un petit magasin Place Cauchoise, c'est ça. Ouais, adorable ce mec. Adorable. Qui aimait bien la Neo Geo d'ailleurs. Ouais, il y avait sa femme en face qui tenait un magasin aussi pendant un moment. Yes. On a dit qu'il avait fermé, donc je suis dégoûté pour lui. Il y avait un autre magasin qui était sympa, qui était sur la rue principale, qui était encore ouvert. J'étais ouais. Avec... Matos and Game. De quoi ? Je pense. Matos and Game, non ? Je sais plus, il faudra que les gens aillent voir les vidéos. Lui, il survit, en fait. C'est le dernier qui est encore en activité. Il doit dater de. Il a fêté ses 5 ans, donc je pense que ça doit être lui. Et il y avait un magasin aussi dans une toute petite rue qui avait survécu à côté d'un magasin qui vendait des jeux de société. À côté du bazar du bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Il s'appelle Oulala, je pense. Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Oulala, un petit magasin avec Pascal, d'ailleurs, que je salue si on regarde la vidéo. Ah, un parisien voilà. À la base, mais qui tient le magasin sur Rouen. Il est un peu entre les deux, en fait. Ça doit être ça. Ouais, putain, tu connais bien. J'adore Rouen, c'est très, très c'est top. Très belle ville, nickel. Mais c'est marrant, tu vois, comme quoi. Pourtant, on n'a pas échangé avant. Hein. Non. De beaux souvenirs. Alors, Biggie, du coup, je ne t'ai pas posé la question, pardon. Ton premier souvenir avec la Dreamcast. Alors, moi, c'était dans les magazines. Moi, je suivais un petit peu l'activité de ça, parce que j'ai toujours été très fan de l'arcade, hein, comme tu le sais. Et j'entendais parler que Sega allait sortir une console qui allait pouvoir faire des jeux identiques à l'arcade. Et la première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas acquéri tout de suite, il y avait un magasin d'import à Lyon qui s'appelait Fantasy Game. Ceux qui connaissent Lyon, ils s'en rappellent. C'était voilà, pareil, l'import magouille et jeux gravés et consoles pulsées et tout ça. Et eux, ils l'avaient, donc après, ils l'avaient fait venir, pareil, du Japon. Mais au départ, il n'y avait pas de jeux qui m'intéressaient. Justement, maintenant, je m'en souviens des jeux du line-up. Tu avais Pen Pen, tu avais... Godzilla, et tu avais Virtua Fighter 3. Il y avait Virtua Fighter 3 qui tournait, et je me souviens avec mon pote KX, on regardait le jeu tourner, et ça nous a pas hypé, parce que nous on avait les moyens, c'est-à-dire en général, on était des mecs de la débrouille, donc on savait qu'on pouvait l'acquérir, et puis il y avait son grand frère qui nous finançait pas mal, mes frères aussi, et nous on était prêts à dégainer, mais il n'y avait rien qui nous intéressait. Donc on a laissé passer du temps, tu vois, on a attendu. Et je reviendrai après sur quand est-ce qu'on l'a acquéri. Mais ouais, ouais. T'as raison, le line-up Jap, franchement, il était très limite. En fait, c'était un peu gradué, hein. Le line-up Jap, c'était la première console sur le marché, donc très limite. US, c'était un peu mieux. Et le line-up européen, il était vraiment top. Hein. Par contre, on y reviendra peut-être après. Mmh. Ouais, j'ai connu... alors, il y avait un autre magasin DG. Je ne sais pas si ouais. T'as connu sur Rouen. C'était Place Saint-Marc. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, la Place Saint-Marc. C'est où exactement? Place Saint-Marc, c'est à Rouen droite, quasiment à l'entrée de Rouen droite, pas très loin du CHU, pas très loin de l'hôpital de Rouen. Ah, alors je vois très bien l'hôpital, malheureusement. Tu vois très bien l'hôpital, d'accord. Et du coup, Place Saint-Marc, c'est pas très très loin. Et il y avait un magasin qui s'appelait Warp Zone, un magasin de jeux rétro. Ouais. Où je traînais pas mal dans les années 97, 98, 99. Le propriétaire était plutôt sympa. Les prix étaient vraiment attractifs. Et puis, c'est là-bas que j'avais découvert la Dreamcast en Jap. Je suis rentré, j'en avais parlé à mon frère qu'elle était sortie. Il m'a dit non, mais je suis au courant. Mon frère Yacine, d'ailleurs, qui est toujours dans le rétro gaming. Dans le game. Ouais, c'est marrant. C'est très, très possible qu'on se soit croisé là-bas parce que je me rappelle la console Jap à Rouen. Je ne sais plus dans quel magasin exactement, mais c'est très possible qu'on soit dans le magasin et même qu'on se soit croisé. Il y a de fortes chances. Hein. C'est l'univers rétro gaming, il est quand même assez fermé. Du coup, mon frère Yacine a attendu un petit peu. On ne l'a pas eu au lancement Jap. On l'a eu un peu plus tard, un peu avant le lancement français. En fait, on a eu deux Dreamcast. Bon, là, je commence déjà à raconter quand est-ce qu'on l'a eu. Mais, mais en gros, voilà, je l'ai découvert dans ce magasin-là. Découvert au sens physique réel, hein, puisque évidemment, dans les magazines, on avait déjà vu, je pense, tous les trois passer pas mal de choses. Ouais. Et du coup, je l'ai découvert là-bas. Et je vais vous raconter ensuite comment je l'ai acquéri. On va laisser d'abord la parole à DG. Donc, tu as obtenu la Dreamcast mi-2000, c'est ça? Mi-2000, c'était, il me semble, en août 2000. Et mes premiers jeux, c'était Sonic Adventure. Je crois qu'il y avait Chouchou Rocket qui était donné avec le pack. Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'ai eu Rayman 2 aussi assez vite. Et mon père a acheté Virtua Tennis. On en reparlera après. On va en reparler après. Oh là 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 là. Du bon, ça.
Du bon, du bon. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est mon père, en fait. Mon père voulait pas, parce que j'avais eu la PlayStation à Noël en 97. Et avant ça, j'avais eu la Mega Drive. Mais mon père, en fait, voulait pas que j'aie trop de consoles. Il n'a pas voulu, il y a un Noël où il n'a pas voulu que je prenne la Super Nintendo parce qu'il m'a dit, est-ce que tu veux autre chose ? Mega CD à la place. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien la Super Nintendo. Et je crois qu'on était dans un Toys R Us satier. Ouais, c'était le Toys R Us satier. Tu dois connaître Bicam. Non. Edge connaît, c'est sûr. Moi, tout à fait. Et là, oui. Toys R Us qui malheureusement était braqué et qui a fermé depuis. Ouais. On est dans ce Toys R Us. C'était pour Noël, je ne sais plus quelle année, ça devait être 95, un truc comme ça. Et moi, je voulais la Super Nintendo, quoi, tout qui me faisait envie. Elle était à son apogée en plus. Et il y a un vendeur qui a endormi mon père qui a dit non, mais vous savez que vous pouvez booster la Mega Drive avec le Mega CD. Et là, mon père, il a vu NBA Jam et il a dit ah, vas-y, on prend ça. En fait, ton père, il voulait des jeux de sport. Tu me dis ça, c'est. Il voulait que des jeux de sport. Il achetait que ça. Il y avait Wimbledon sur Mega Drive. Il y avait Super Soccer, Ultimate Soccer, une vieille merde là, sur Mega Drive. Donc à l'époque, Ultimate Soccer. C'était quoi, tu m'as dit ? Ultimate Soccer. Ouais, voilà. Mais c'était génial à l'époque. Mais maman, t'y joues, t'as envie de pleurer. Ah bah ouais. Bref. Je me suis retrouvé coincé avec la Mega Drive et le Mega CD jusqu'en 97. Et à un moment donné, je suis tombé dans Pokémon et j'avais demandé la 64 pour Noël. Mon père a refusé. Il a dit non, tu restes avec la PlayStation, c'est déjà très bien. Et la Dreamcast, il a dit ah, Virtua Tennis, ouais, c'est pas mal. Moi, j'étais trop content parce que du coup, j'ai eu Sonic Adventure et Rayman 2. C'est trop, trop content. Voilà, on va revenir sur ces jeux-là parce que les jeux que tu cites, là, Sonic Adventure, Virtua Tennis, etc. C'est des bombes. C'était des bombes nucléaires à l'époque. On n'en a pas parlé, hein, mais peut-être Biggie pourra dire un mot parce que du coup, la Dreamcast provient d'un système d'arcade à la base, hein, Naomi. Oui, alors en fait, c'est plutôt le contraire. Si tu veux, en fait, Sega, à l'époque, ils avaient le modèle 3. Donc c'était le système d'arcade le plus puissant qui existait. Tout constructeur confondu. Ils avaient donc le modèle 3 qui faisait des cartons. Bah, tu avais Virtua Fighter 3. T'avais Sega Rally 2 qui tournait dessus, t'avais Scud Race, t'avais Daytona USA 2, donc que des gros gros jeux, et vraiment magnifiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le modèle 3, j'en parlais cet après-midi avec d'autres, hein, notamment avec Arcade Brain, le problème c'est que le modèle 3 coûtait très cher, parce que c'était un système qui avait beaucoup de mémoire, etc., qui était complexe à programmer, mais il coûtait extrêmement cher. Donc quand Sega, bah, on en avait parlé pendant le live avec Gunhead, ils avaient négocié, qu'ils avaient décidé que ce soit le Power VR 2 à l'intérieur avec NEC, donc que ce soit NEC qui fasse la puce à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que Sega s'est dit, on va développer un système d'arcade qui va être proche de la Dreamcast. Et c'est de là qu'est sortie la Naomi 2. La Naomi plus la Naomi 2, mais d'abord la Naomi, pardon. Et la Naomi, c'est un ersatz de la Dreamcast avec un tout petit peu plus de mémoire, mais du coup, les conversions, c'est très simple et voilà, c'est très fidèle. Tu vois, et du coup, il y a eu pas mal de conversions d'arcade, en particulier... Ouais, perfect. Mais par contre, tout ce qui était modèle 3, c'était moins bien. Si tu prends Sega Rally 2, si tu prends Virtua Fighter 3, ils sont bien en dessous de la version arcade, tu vois. D'accord. Donc après, la Naomi, si tu veux, quand elle a été développée, c'était pour que l'architecture se rapproche de la Dreamcast et d'avoir un système arcade moins cher, plus simple à développer, si tu veux, et aussi moins cher en coût, tu vois. Ok, ça marche. Du coup, bah, je te pose quand même la question, Biggie. Tu l'as, la Dreamcast. Hein. Bon, bien sûr, et je l'ai eu en Japon, moi, avant la sortie européenne, parce que, en fait, dès que les jeux sont sortis au Japon, les bons jeux, le premier jeu qui nous a fait acheter la Dreamcast, bah, on va le faire en même temps, comme ça, on va avancer sur... Ouais, bien sûr. Le premier jeu qui m'a fait acheter la Dreamcast, donc j'étais avec mon pote KX, en gros, on allait dans ce magasin d'import quasiment tous les week-ends, d'accord ? Et donc, il nous dit, je vais recevoir ce jeu. Donc, ce jeu, c'est quoi ? C'est Soul Calibur. Donc, il me dit, je reçois ce jeu samedi. Donc, on arrive, il y avait la queue dans le magasin. La queue, les gens qui faisaient la queue pour voir le jeu, tellement il était incroyable. Donc, en fait, on voit Soul Calibur tourner. C'est simple, on n'a pas rigolé, Khaled. On est venu, on a payé et on est parti avec une Dreamcast Jap avec Soul Calibur. Combien ? Je sais plus, c'était peut-être... En France, c'était encore les francs, donc on était peut-être à 3500 francs avec le jeu. Oh la vache. Il faut savoir, DG, que le magasin dont je te parle, là, le Open Game, c'était, il y avait beaucoup de magouilles là-bas. Et du coup, souvent, les choses qui étaient importées, parce que ce n'est pas comme aujourd'hui où on peut acheter facilement au Japon, etc. À l'époque,
on savait pas du tout comment ça c'était importé. Ça marchait, ouais, bien sûr. Et du coup, ils alignaient sur les tarifs au début, de ouf. Et puis, si ça se vendait pas, ils pétaient les prix, en fait. Alors, il faut savoir que Soul Calibur seul, le prix, je m'en rappelle, c'était 699 francs. Ouais, t'imagines. Tu vois, 700 francs un jeu. Et en fait, nous, on a acheté la console en Jap. Je me souviens de la boîte et tout, quand on l'avait pris. On a acheté une manette, un VMU et Soul Calibur. Et en fait, on a mis les thunes tous les deux. Et on est rentré en courant chez lui pour y jouer. Et son grand frère, je t'ai dit, il nous donnait de l'argent parce qu'il travaillait avec son père. Il avait vraiment des moyens financiers, open, quoi. Parce que lui, il travaillait avec son père, il vivait chez ses parents. Et son père le payait grassement, tu vois. Et du coup, il nous donnait des trucs pour acheter des jeux. Il nous donnait des thunes pour acheter des jeux 64, PlayStation, etc. Et en gros, lui, il nous donnait. On avait besoin, lui disait, ouais, il nous manque ça. Il nous donnait. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Du coup, on est allé... On l'a acheté, on l'appelle. Lui, il revient du boulot parce qu'il finissait tard, vers minuit. Et on était encore chez mon pote KX. Et il arrive, il voit Soul Calibur, il nous voit jouer. Mais je te jure, la sensation, vraiment la puissance, comme le dit souvent DG, évocatrice de souvenirs. Mais pff, c'est parmi les plus grands souvenirs de jeux vidéo que j'ai dans ma vie. Est-ce que vous aviez fait Soul Blade sur PlayStation avant? Ouais, bah oui, justement, c'est pour ça. C'est que Soul Blade, on l'avait fait sur PlayStation. Et celui-là, on le connaissait en arcade. On y avait beaucoup joué. D'accord. Et Soul Blade, il n'était pas exceptionnel aussi? Soul Blade, juste son intro déjà, elle m'a marqué définitivement. Alors le jeu, je ne t'en parle pas. Et ce Soul Calibur Dreamcast, là que tu mets en avant, il date de 20 ans, 21 ans je dirais même. Et bah, aujourd'hui, on le voit 21 ans après, il est toujours aussi beau. Ah, il tient la route, ouais. Il tient la route. Attends, on a de la PS5, on a de la Xbox Series X, on a des consoles vraiment monstrueuses, et pourtant il tient la route. Tu le vois, il n'est pas moche. Non. Qu'est-ce que t'en penses, DG, là? Il est encore bluffant, là. Je revois les images en même temps que vous. C'est encore incroyable. Moi, je l'ai eu début 2001. Parce que forcément, les jeux, quand même, ils coûtaient cher. Vous ne pouvez pas tout acheter. Et Soul Calibur, quand je l'ai eu, c'était du non-stop. Alors, je revois les images, c'est toujours bluffant. Ouais. J'ai passé facile 200 heures. Parce qu'il y avait un mode, il y avait un mode aventure. Ouais. Il y avait un mode aventure et tu débloquais plein de persos, tu débloquais des armes en fait qui te faisaient du malus, du bonus, etc. C'était incroyable. Je vous dis 200, c'est peut-être même plus. Hein, on a tellement joué en versus avec des potes, c'était la folie. À chaque fois que j'avais des potes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient la Dreamcast à l'époque. Non. Hein. Non. Et quand j'avais des potes qui venaient, ils n'avaient qu'une envie, c'est de jouer à Soul Calibur. C'était exceptionnel. Bah justement, ouais. Ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai ressenti, moi. C'est qu'en fait, j'ai eu la chance, moi, de mon frère Yacine. Et il a 5 ans de plus que moi. Du coup, il était étudiant avec pas mal de bourses. Et moi, en fait, j'ai essayé de rentrer dans sa tête pour essayer de le manipuler un peu parce que je voulais la Dreamcast, je voulais plein de jeux. Lui, il était fan aussi de la Dreamcast, mais bon, il voulait aussi utiliser son argent pour d'autres choses. Mais finalement, il finissait toujours par céder. Et je garde un excellent souvenir de la Dreamcast, on va dire, de deux points de vue. Le point de vue des jeux qu'on va citer ce soir, hein, Soul Calibur, etc., mais aussi un point de vue de jeu de Versus Fighting Jap qu'on a saigné ensemble des heures et des heures et des heures et des heures, en fait. Quand tu dis 200 heures, là, ça ne m'étonne pas du tout, en fait, DG. Hein. Ça va vite, hein, une soirée, 4 heures, 5 heures, ça, on les enchaînait. Hein. C'est ça. Franchement, c'était ouf. C'était une belle période. Franchement, comme je l'ai signalé au début, moi, j'étais en âge idéal, je pense, pour acquérir cette console. Il y avait un défaut avec Soul Calibur. Parce qu'il y a un truc qui m'a marqué sur Soul Blade, c'est qu'on pouvait casser les armes. Et malheureusement, on ne pouvait pas le faire sur Soul Calibur. C'est ça. Ouais, effectivement. Et sinon, alors, techniquement, c'était la folie, les mecs. Et maintenant que j'y pense, parce qu'on parlait juste avant de l'import, je ne citerai pas la boutique, mais sachez qu'il y a une boutique sur Paris qui a fermé en grosse partie à cause de l'import Dreamcast. Parce qu'ils avaient apporté un paquet de Dreamcast, mais ce n'était pas aux normes CE. Ouais, il y avait un problème de normes, moi je m'en souviens de ça. Ouais, et ils se sont fait saisir le truc par la douane, niqué, à cause de Sega. Ouais, allez, je sais de qui et de quelle boutique tu veux parler. On va pas citer. Mais Soul Calibur, on en a parlé. On peut peut-être revenir au line-up français, parce qu'il y a tellement de jeux. Du coup, on va partir sur un jeu que DG a cité, je pense. Ouais, Sonic Adventure, parce que je pense que. Alors déjà, c'est le jeu le plus vendu, sans hésitation dans le monde, hein, que ce soit en France, au Japon. C'est le jeu le plus vendu. C'est le Sonic qu'on attendait le plus parce qu'en Saturn, on n'en a rien eu en Sonic. On n'a rien eu de,
de concret. On a eu Sonic 3D et Sonic R. Sonic 3D, et... c'était... Sonic 3D, ceux qui l'ont fait... Moi, je l'ai fait à l'époque grâce à un pote qui avait la Saturn. Je l'aimais bien, mais c'était clairement pas au niveau de Sonic 3 et Knuckles. Très loin de là. Et Sonic R, le jeu de course, bon... Ça pouvait être sympatoche pour les graphismes à l'époque. Mais ouais. C'est ce qu'on attendait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu Sonic Adventure? Est-ce que ça a fait comme nous tous que ta mâchoire elle s'est décrochée? C'était fou parce qu'en fait, en termes de rendu, les polygones, à l'époque, moi je l'ai vu en 98 tournée. Ouais. L'équivalent, c'était les jeux sur PlayStation 64. Même Ocarina of Time, qui était considéré comme le plus beau jeu de tous les temps à l'époque, n'était, enfin, il n'y avait pas le même nombre de polygones sur Link que sur Sonic. Le rendu, vous le voyez là, ouais, ça a vieilli, mais putain, à l'époque, c'était le plus beau jeu du monde pour moi. C'était ouais, et encore, là, ce n'est pas le stage qui le met le plus en valeur. Non, mais ouais. c'est les couleurs iconiques, tu vois, ça fait un peu penser à Green Hill Zone. Et quand tu as grandi avec Sonic, ta première console, c'était la Mega Drive, ça te fait rêver quand tu as 12 ans comme moi à l'époque. Clairement. Puis franchement, ils ont réussi à faire ce qu'on attendait, c'est-à-dire un vrai passage à la 3D. On oublie là, la phase Saturn, on l'oublie radicalement. On avait des très bons Sonic sur Mega Drive, qui ont marqué l'histoire de la Mega Drive et qui ont marqué notre histoire à nous, hein, notre nostalgie. Et là, sur Dreamcast, moi, je l'attendais tellement et je n'ai pas du tout été déçu. En fait. Tu sais ce qui m'a le plus marqué finalement, déjà à l'époque, et ça reste le cas avec les années, c'est la bande-son du jeu. Ouais. La bande son, tu sais que des fois je réécoute dans ma bagnole, je sais plus comment s'appelle le premier thème qu'on entend justement dans ce niveau. Bah c'est ouais, Follow Me, Escape from the City. Non, c'est pas non, ça. Ça c'est dans le 2. Ah oui, je m'en souviens plus. Le premier, je sais plus, faudrait que je retrouve ça, mais le thème de Sonic Adventure, le premier, il est exceptionnel. Quoi. Celui-là, vous le réécoutez dans la bagnole, c'est 5 étoiles. Ah non, mais tout était réussi. C'est clair que dans ce jeu-là, l'aventure en soi, elle était prenante. Et puis, ouais, comme tu dis, les concurrents se faisaient ridiculiser, hein, clairement. Et, c'est Azure Blue World, Emerald Coast. Ah ouais, voilà. Emerald Coast, ouais. Azure Blue World. Ouais. Ouais. Ce thème, il est chiant. Ouais. Non, mais ce truc avec l'orque, moi, c'est ça qui m'avait décroché la mâchoire. C'est quand tu vois, tu cours, il y a l'orque qui défonce le truc. C'est super bien fait, l'orque, etc. Vraiment des gros... C'est pas des sprites, mais des gros polygones comme ça affichés à l'écran. Surtout que les seules scènes un peu équivalentes qu'on avait eues dans ce style, c'était sur les Crash Bandicoot. Et là, tu vois ça sur Dreamcast, la mâchoire qui se décroche. T'as la caméra qui suit le perso aussi. C'est un truc qu'on avait commencé à voir dans Soul River, tu sais, où la caméra suit tout le temps le personnage. Mais là, avec cette vitesse, c'était assez incroyable. Puis t'avais plein de persos à débloquer, t'avais Knuckles, t'avais Tails, bon après je passe sur malheureusement Big le chat et je sais plus quel autre perso pourri, le robot aussi, on avait un robot de merde, mais globalement c'était un kiff absolu. Après ouais bon t'avais l'aspect, t'as des êtres humains dans Sonic, est-ce que c'est cohérent, mais en fait on s'en foutait, on le voyait pas à l'époque. Ouais c'est ça. Non c'est clair. Mais ça avec le recul, moi je te donne un exemple, mon fils il y joue hein. C'est-à-dire que sur la Dreamcast, mon fils, souvent, il me demande de lui remettre Sonic Adventure. Hein, parce qu'il est fan de Sonic, mon fils. Mais il y joue, pour te dire. Hein. Après, alors qu'il y a la PS5. D'affronter Perfect Chaos avec le thème de fin qui déchire, c'était mortel. Ouais. Et puis, une vraie sensation de vitesse. C'est-à-dire que les Sonic sur Mega Drive étaient connus. Bah, alors, c'était assez simple d'avoir la sensation de vitesse sur un scrolling horizontal. Et le passage à la 3D, on s'est dit, avec mes frangins, est-ce qu'on va avoir vraiment cette sensation? Et rien à dire. C'était clairement explosif, comme tu l'as dit, la caméra suivait bien cette sensation de... Elle accentuait cette sensation de vitesse. À l'époque, c'était ouf. Pas. Maintenant, si tu joues, tu vois, tu dis, ah, il y a des problèmes de caméra, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était très bluffant. À l'époque, c'était innovant, totalement. Il y a un truc dont on n'a pas parlé qui était... Enfin, qui va avec la sortie de la Dreamcast, qui va avec la console, parce que j'ai parlé du diamant rouge qui m'a impressionné en termes de design. Mais ce qui était dingue, c'était la manette aussi. Ouais. C'est ça que j'aimais bien à l'époque, c'était le design des manettes. Chaque fois que tu avais une nouvelle console, tu avais un design de manette qui était complètement à part, extraterrestre. C'est ça. Je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'était la 64, parce que tu avais le joystick au milieu. Trident, là. Tu avais des dispositions de boutons qui étaient très, très, très spécifiques. Mais la Dreamcast, avec son stick en haut à gauche, le positionnement des boutons, le seul problème, c'était les gâchettes. Parce que putain, on était crispés sur la manette. Ouais, se cassait assez facilement, c'est vrai.
Ouais, ça m'est cassé quelques... Voilà, le feeling manette en main sur Sonic Adventure. Ouais. Non, mais ouais. La VMU, moi, franchement, la VMU, on en avait parlé quand Vaé nous en avait présenté plein, parce qu'on nous l'avait vendu comme une mini Game Boy, en fait. Ouais. Mais moi, le fait de l'avoir vu et d'avoir vu l'écran s'éclairer et de voir des animations dessus, c'est un truc qui m'a marqué, quoi. Bien sûr. Un gadget. Après, il faut le signaler, la Dreamcast, c'était la première console en PAL à apporter le 61. Oui, c'est vrai. Parce qu'on dit souvent la GameCube la porte, mais elle est sortie après. Donc, c'était quand Attends, non seulement elle est sortie après, et sur bien des jeux, il fallait rester appuyé sur le bouton B pour avoir l'option du 60. Sur Dreamcast, tu lançais le jeu 50 ou 60. Ouais, ça, c'est effectivement, vrai. C'était génial. C'est vrai. Bon, après, sur GameCube, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de portages Dreamcast. Hein, donc, ça voulait dire que la console, elle avait marqué son temps. Alors, donc, Sonic Adventure, qui est ressorti dans un remake foireux, et Sonic Adventure 2 Battle, qui lui était mieux. C'est vrai. Donc, ces deux jeux. Tu as bien raison de le signaler. Alors, ça serait intéressant qu'on reste sur le line-up. Moi, j'aimerais bien parler d'un jeu qui m'a marqué. C'est Ready to Rumble. Je ne sais pas si vous l'avez connu à l'époque. Mortel. Ah, c'est ouf. Hein. C'est ouf, ce jeu. Il est sorti au line-up français aussi. Ready to Rumble avec Jackson. Là, alors là, on ne voit pas l'image. Ouais. Avec Michael Jackson. Non, avec Jackson, celui qui a la touffe. Oui. La touffe. Qui bougeait un peu à la Prince Nassim Ahmed. C'est ça. Je sais pas si vous avez connu ce boxeur. Si, bien sûr. Et en fait, c'était très, très orienté humour, mais il y avait de la vraie gestuelle, en fait. Hein. C'était un vrai. Ouais, toi, t'es fan de boxe, donc automatiquement. Ah non, mais. Bah, le jeu est sorti 98-99. C'était. Pour moi, c'était une belle période de boxe. Hein. Ouais. Et puis du coup, sa venue, elle était intéressante. Et puis si on analyse bien, il y avait un mode histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, qui était ultra prenant. Carrière, ouais. Un mode carrière, pardon, qui était ultra prenant. Le fun était tout de suite là, en fait, avec le fameux speaker au début, qui est un Bruce producteur. Buffer. Ouais, c'est vraiment, c'était vraiment lui, quoi. Avec un système de furie, là on le voit, les gambrilles. Ouais, ouais. Et pour moi, il a marqué l'histoire. C'est-à-dire qu'on est habitué aux vraies simulations de boxe. Ça c'est une réalité dans les jeux EA Sports. Ils essaient de simuler la boxe vraiment dans le sens réel du terme. Là, ce jeu-là, c'était. On s'embarque, c'est de l'arcade, du fun. On se lance et c'est parti, quoi. On s'en met plein la tronche. Avec mes frangins, on a passé des heures dessus, en fait. C'est une saga qui a disparu, mais je ne sais pas à quel point elle se serait bien retranscrite à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça aura encore un intérêt, mais à l'époque, c'était mortel. Et celui qui m'a marqué, ce n'est pas le premier, c'est le 2. Est-ce que tu te souviens qu'on pouvait jouer avec Michael Jackson? Ouais, le Rumble 2, justement. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous aviez vu le Level 1 de Marcus sur le 2 avec, je ne sais plus comment s'appelait le mec, Afro Thunder, hein? Afro Thunder, c'est le. Je dis Jackson, moi, mais c'est Afro il Thunder. Était venu, hein. Il était venu pour Level 1. Non. Je te jure, avec Marcus. Bien sûr, et c'est comme ça que moi, j'avais connu la licence et que j'ai foncé sur le jeu et j'ai surkiffé. Ouais. Là, on voit Michael Buffer. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Je n'avais pas connaissance de cette anecdote-là. Je ne sais pas si l'archive est encore dispo sur. C'est ce que j'allais dire. Je me rappelle qu'il disait un truc à Marcus, il disait. You can stop the thunderball. Ah ouais, c'est ça quand il dit dans le jeu, ouais. Et tu l'imites bien, en plus, ça. Il le faisait en vrai. Et moi, j'avais tellement kiffé la performance du mec et le jeu, putain. Mais si, putain, il le faut. Oui, c'est ça. Les lettres du Rumble s'affichaient au fur et à mesure avant de passer au mode super, c'était ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, exact. Mais mec, tu me replonges. 21. Ah bah oui, mais là, ça y est, je viens d'avoir un flash, là. Franchement, c'est. Parce que vous savez que ces jeux dont on parle. J'ai pas retouché depuis l'époque, hein. À part quelques exceptions, j'ai pas retouché à ces jeux depuis 20 ans, les gars. Bah, je te cache pas que Ready to Rumble, moi, j'y ai pas rejoué depuis l'époque de la Dreamcast. Alors, il a eu des portages sur PS2, peut-être, non? Ouais, c'est comme Dead or Alive 2, il l'avait porté aussi sur PS2, ouais. Mais moins bien, parce que bien. La Dreamcast permettait, il me semble, d'avoir des couleurs plus vives à l'écran. Oui, et l'anti-aliasing, surtout, était meilleur que sur PS2. Exact. D'ailleurs, je ne sais pas si vous comptez parler de Rayman 2 ou pas. Bah, on peut toujours le on peut en parler. Hein. Il était mortel, le Rayman 2. Il était sur N64,
sur PS1 et sur, ouais. Et sur Dreamcast. Et il y avait souvent. Sur PlayStation 2, parce que j'ai eu les deux versions. Et la Dreamcast, du coup, je l'ai eu en août 2000 à peu près. Et j'ai eu Rayman 2, c'était un de mes premiers jeux. Jeu que j'ai torché dans tous les sens, qui était monumental. Et c'était la retranscription parfaite de Rayman en 3D. Et plus tard, je l'ai eu sur PS2. La version Dreamcast était meilleure que la version de PS2. On va la montrer, je pense. Dans, je ne suis pas plus étonné que ça. Hein. Vraiment, je trouvais que les finitions sur Dreamcast étaient parfaites souvent. Ouais. Je le dis souvent, petite ludothèque, mais de qualité en fait. Alors, on peut montrer. Petite ludothèque aussi, parce qu'elle n'a pas vécu longtemps, malheureusement, surtout en Europe. On l'a eu 2 ans. Ouais. 2 ans de En Europe, 2 ans, ouais, c'est ça. 99. Ça, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Hein. C'est à mon plus grand regret. Hein, parce que, tu sais, moi, je serais le premier à kiffer que Sega ressorte une console de salon. Hein. J'adorerais ça, mais après, c'est aussi le problème des concepts que tu transposes à l'heure actuelle. Est-ce que ça serait pertinent pour Sega? Après, oui, ils ont leur univers. Moi, ce que j'aimerais, c'est une véritable fusion Sega-Nintendo et que Sega se sorte les doigts pour nous sortir des vrais Sonic d'envergure. Pas un truc comme Sonic Mania, tu vois, mais un nouveau vrai Sonic 3D, un peu comme ils l'ont fait avec Génération il y a 10 ans, qui était vraiment mortel. Moi, j'adore. Ouais, mais le problème, c'est que Sega n'existe plus vraiment aujourd'hui. Tu vois, on en avait parlé pour Paprium, quand Gwenaël nous avait donné des anecdotes, il n'y a plus personne derrière, en fait. Il n'y a plus personne aux commandes. C'est devenu n'importe quoi, parce que Microsoft, il y avait une vraie rumeur de rachat, et en fait, c'est quand ils ont vu l'état de ce qui reste de la société aujourd'hui, ils ont décliné, en fait. Bah, ça commence à sentir mauvais, bah, peut-être qu'on y viendra à la fin, mais quand ils ont commencé à arrêter de construire des consoles et qu'ils se sont mis en éditeur tiers, c'était le début de la fin, et je le sentais venir déjà à l'époque. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment développer des Sonic d'envergure, des jeux d'envergure Sega pour les concurrents? C'est quand même bizarre. Et on a vu le résultat en 20 ans. Après, il y a quand même Bayonetta, Vanquish à leur actif, même si ce n'est pas eux les développeurs, mais ils sont estampillés Sega quand même. Ouais. Mais bah, tu vois, ce qui paraît, le mystère derrière Bayonetta 3, le fait que le jeu, on n'en entend pas parler sur Switch, apparemment, ça serait lié à Sega. Hein. Ouais. Donc, ah, je suis content que tu montres Rayman 2, ça c'était... Ouais. Le premier Rayman en 3D, hein. Enfin en 3D. Ouais. Les précédents étaient plutôt à scrolling horizontal, c'était de la 2D, 3D, je sais pas comment... Premier Rayman en 3D, retranscription parfaite, un gameplay de dingue pour l'époque, très bonne durée de vie, un kiff de plateforme. C'est un de mes jeux de plateforme préférés de tous les temps, Rayman 2. Alors justement, déjà j'allais te poser la question, est-ce que tu as encore ta Dreamcast de l'époque ou non? Si, je l'ai gardé. Malheureusement, je n'ai pas gardé le pack, je suis dégoûté. C'était à l'époque où j'étais un peu moins maniaque que maintenant. Je n'ai pas gardé ce pack-là, mais j'ai la Dreamcast qui tourne encore. Excellent. Et j'ai également une Dreamcast US que j'ai achetée plus tard pour quelques jeux comme Cannon Spike. Donc peut-être on parlera après. Cannon Spike. Et du coup, Rayman 2, est-ce que tu aimerais bien l'avoir de nouveau ou, parce que c'est... Ouais. Ah. Non, clairement, je vais être honnête, je ne le referai pas dans l'état. C'est un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps, mais ancré dans son époque. Je pense qu'il peut encore très bien se jouer. Mais si j'y rejouais maintenant, après j'ai vieilli, vous voyez les mecs à l'époque. J'avais 14 ans. Vous aviez quel âge, tiens, à l'époque, en 2000. Alors, nous, on a à peu près le même âge, Khaled et moi. Moi, j'avais 18 ans. Ouais. Vous avez 18 ans, ouais. On était encore jeunes, vous voyez. Rayman, à l'heure actuelle, c'est plus vraiment pour moi. C'est un peu comme Mario, tu vois, j'ai un peu vieilli. C'est... plus trop mon kiff, mais s'il faisait un remake d'envergure, vraiment d'envergure de Rayman 2, peut-être parce que la nostalgie peut prendre le dessus et puis te donner envie de... c'est vrai que le temps aujourd'hui on essaie de le j'ai l'impression qu'il manque, hein. C'est souvent, hein, quand on était enfant on jouait, on se posait pas de questions. Là on doit vraiment sélectionner, faire attention, et effectivement ça rentrera peut-être pas dans les cases actuelles en 2021. Il y a tellement de jeux en plus aujourd'hui. Hein. À l'époque, il y en avait quand même beaucoup moins qui sortaient. On avait cette impression-là. Là, il y a tellement de choix. Moi, je pense que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'il y avait plus de jeux qui sortaient à l'époque, mais ils étaient beaucoup moins longs. Alors, je ne sais pas. Si tu combines tout, si tu combines les jeux indés, les grosses sorties, les plus petites sorties, tu as peut-être raison. Je sais pas. Moi, mon impression, c'est que tous les mois, surtout quand tu achetais des magazines, tous les mois, tu avais plein de nouveautés. Les suites, tu n'avais pas à attendre. Maintenant, attends, quand tu attends une suite d'envergure d'un jeu comme Red Dead ou GTA ou toutes les grosses licences, tu attends 6, 7, 8 ans.
À l'époque, tu attendais 1 ou 2 ans et tu avais la suite. Tomb Raider, Crash Bandicoot. Alors en fait, ouais, À part Nintendo, tu avais un Zelda tous les 2-3 ans. Ouais. Mario, c'était un peu plus long. Mais sur les autres plateformes comme PlayStation, Sega, 1 ou 2 ans et tu avais une suite. Ouais, mais je pense que c'est les coûts de développement aujourd'hui qui ont explosé. En fait, aujourd'hui, c'est comme des gros films à produire. C'est même pire que certains gros films. Hein. Mais après, on va mettre Avatar de côté, genre. Mais c'est pareil que des suites de films. Ouais. Le problème, c'est que maintenant, en fait, c'est devenu trop colossal. Et c'est ce qui tue les studios. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est comme le recrutement des joueurs de foot, là. Les sommes astronomiques. Non, clair. Mais par contre, non, là où tu as raison, DG, je confonds peut-être. Enfin, je ne confonds pas, mais si tu veux. Toi, t'achètes tout. Il faut savoir que toi, tu achètes beaucoup de choses sur Switch. Tu achètes des choses sur PS4, tu achètes des choses sur. En fait, sur tellement plein de supports. Hier, là, tu as pris l'édition collector, par exemple, de Mark of the Wolf PS4, comme moi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que tu achètes et tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. À l'époque, on avait un jeu. On n'avait pas les moyens et on essayait de le saigner. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais tu as raison, par contre, déjà, les jeux étaient clairement plus courts à l'époque. Hein. Sur console 16 bits, c'était souvent de l'ordre. On pouvait finir certains jeux en 15-20 minutes. Ah ouais. Des fois, une heure, c'était considéré comme des jeux assez longs. Hein. Bah, ce qui faisait que les jeux nous paraissaient longs, c'était leur difficulté atroce, qu'on ne ressentait pas vraiment, on ne se rendait pas compte. Et c'est ça qui faisait que les jeux étaient longs. Maintenant, ils sont vraiment très très longs. Tu as des jeux qui durent 50 heures, 60 heures. Facilement, avec des points de sauvegarde permanents. J'aime bien ton espèce de fauteuil à Mac, Khaled. J'observais parce que je me dis, le mec, c'est un énorme collectionneur, il a plein de trucs, mais il n'y a aucun jeu derrière lui. Non, mais en fait, il a sa pièce à l'étage. Moi, de temps en temps, il fait ses vidéos dessus, et c'est là qu'on voit un petit peu. Des fois, il sort quelques trucs, mais je peux te dire que c'est un malade. Hein. Il a des GameCube scellés dans des cartons, mais genre la GameCube Mario Kart, il en a 4-5. Ah ouais, c'est un collectionneur, tu sais, qui garde tout bien rangé. Mais voilà. Franchement, je kiffe son espèce de hamac, là, j'aimerais bien me mettre dedans. Ah ouais, c'est la classe, franchement, c'est la classe. Ah là, si je pouvais faire le live dedans tout de suite, là, je dirais quand même. T'endormiras directement. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mon décor, elle est quand même assez pauvre. Par contre, Biggie, il a un beau décor. Il relève le niveau avec deux belles bandes d'arcade. Tu vois, il a un beau décor, mais il achète rien. Si, j'achète, hein. J'achète, bien sûr. Moi, j'achète des jeux Neo Geo, tout ça, ça coûte cher. Et puis, regarde, j'ai bien acheté Returnal, j'ai acheté Resident Evil 8. J'achète. C'est vrai. Non, mais. J'achète des PCB d'arcade qui coûtent une blinde. Bref, je peux pas tout acheter non plus. Ah, c'est moi qui achète. Moi, j'achète beaucoup moins qu'avant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, déjà, tu achètes beaucoup du next-gen quand même, non? Actuellement. Très peu. Non, en fait, très peu. Surtout, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe sur ma chaîne qui stream des jeux et qui a envie d'acheter les jeux. Voilà, récemment, on a eu de la chance, Capcom France nous a repérés. Il y a un mec qui nous aime bien et qui nous a dit « je veux bien vous envoyer les jeux gratuits ». Donc, moi, je ne voulais pas pour moi, mais pour un mec de l'équipe IDEO, j'ai dit « ok ». Du coup, on lui a envoyé Hero8 et il l'a streamé en entier. Mais moi, je t'avoue que les propositions actuelles de jeux vidéo ne me font pas rêver. J'ai l'impression qu'on se retape des concepts vus et revus. Alors qu'à l'époque, tu vois, à l'époque de la Dreamcast, c'est tout était frais. T'achetais n'importe quel jeu, c'était une nouvelle proposition. Donc là, on a deux sous Calibur, mais putain, vous prenez Shenmue quand il est sorti, PSO. C'était révolutionnaire, c'était du jamais vu. Bah là, on va enchaîner avec un jeu justement qui était frais, même si moi, ma sélection, elle est assez versus fighting. C'est Power Stone qui tourne derrière moi sur ma borne, là, juste là. Mais là, donc Power Stone, regardez, un jeu de versus. Donc de combat, qui aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est très profond, parce qu'il n'était pas vu comme un jeu profond à l'époque. Mais quand deux personnes savent bien jouer à Power Stone, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ça part. Ce qui était génial, ça je crois qu'on ne l'a pas dit non plus, mais il y avait à l'époque que deux consoles grand public qui avaient 4 ports manettes, la 64 et la Dreamcast. C'est ça. Parce que rappelez-vous, quand on se prenait la douille sur PlayStation, il fallait acheter un adaptateur que je n'ai jamais acheté évidemment pour jouer des jeux à 4 existants. Power Stone, tu pouvais jouer à 4. Ouais. En fait, beaucoup de Dreamcast. Power Stone 2, Tetris, parce qu'il y a un Tetris sur Dreamcast qui est ouf, qui se joue à 4 et le fun assuré. Il y avait toute une série de jeux de catch, etc., qui étaient ultra prenants. Et effectivement, tu as raison, 4 ports manettes, on n'avait pas besoin d'acheter d'adaptateur, etc. Et puis, le fun était tout de suite là. Alors, ce Power Stone, c'était pour moi...
À l'époque, on avait, je sais pas si vous avez connu Airgate sur PlayStation. Oui, Airgate. Ouais. Ouais, si, avec Cloud. Avec Cloud, ouais. C'est ça. Et du coup, pour moi, c'était un peu, ils avaient un peu copié le concept ici sur Power Stone. J'avais un peu cette impression-là à l'époque, en tout cas. Ouais. Pourtant, Airgate, il n'était pas terrible, hein, franchement. Oh. Ah, moi, je l'avais détesté. Je l'avais acheté en import, une blinde. Ah, il m'avait donné un sobriquet pas bon. On l'avait appelé Merguez, le jeu. Et ouais, mais c'est ça le problème, c'est que toi, t'as acheté les jambes là, moi, je l'ai payé 2$. Non, mais après, moi aussi, j'ai piraté comme tout le monde. Hein. Et après, on s'achetait des cabas de jeux pirates. Mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'il y a des. Au début de la PlayStation, nous, on achetait tout en import. Mais on était des malades. Hein. On gaspillait un fric fou dans les jeux, c'était n'importe quoi. Alors, non, mais je vais te dire la vraie roadcast, les mecs. La vraie roadcast, c'était pas Airgaze qui était sympa parce qu'il tentait un truc. Et je trouve que Power Stone l'a sublimé. Moi, c'est le 2. Hein. J'ai pas fait le premier, j'ai fait le 2. J'ai adoré. Le premier est mieux que le 2 pour moi. Ah ouais? Le 2, si tu veux, c'est plus un party game. C'est différent. Et le premier, c'est un vrai jeu de combat. Ah, mais malheureusement, moi, j'ai eu le 2, mais que j'ai surkiffé. Non, la vraie Rodka, j'y repense parce qu'il y avait un personnage. C'était Square Enix, hein, c'était The Bouncers. Ouais, The Bouncers, mais c'est une clean Rodka. Avec mon argent de poche. Et alors, ça, je m'en remettrai jamais. Ça fait 20 ans, je m'en remettrai jamais. Mais moi, si je te raconte l'anecdote, j'en souffre à chaque fois. C'est que moi, j'ai vendu ma Neo Geo avec Mark of the Wolf pour acheter la PS2 avec The Bouncer. Donc normalement, je devrais m'immoler par le feu. Mec, c'est la pire rodka de tous les temps. En fait, il y a n'importe quoi qui pourrait sortir maintenant, ça battra jamais le mec comme nous qui a acheté The Bouncer à l'époque sur PS2. Jamais. Ouais, ce jeu de l'enfer. C'était quoi la durée de vie? C'était 2-3 heures. C'était 2-3 heures. C'était un beat'em all pourri, en fait. Pourri, avec presque aucun intérêt. 60 euros, mec. 60 euros. Ouais. Bref. Oh là là. C'est très, très difficile à porter pour moi. Alors, tu vois, à côté, un jeu comme Airgaze, incritiquable, il tentait des trucs, c'était super sympa. Non, pour moi, il était. Il y avait, en plus, il y avait un petit côté. Le côté Square Enix. Hein. Square Enix, il fait des RPG. Squaresoft, en tout cas, il fait des RPG, etc. Et il y avait cette petite touche à Airgaze. Hein, ouais, moins que dans Tobal, etc. Mais il y avait quand même cette touche. Je préférais Tobal. Hein. Tobal, c'était une chose. Tobal 2, surtout. Power Stone, il y avait une belle interaction avec le décor. On commençait à découvrir ça avec les Fighting Force, avec les beat démo pour lesquels en 3D, où on avait une interaction avec le décor, on pouvait choper des objets, les envoyer dans la tronche, etc. C'était 96 avec la N64, ils commençaient à rentrer un peu dans ce système-là. Et Dreamcast, vraiment, ils ont sublimé ce système. En particulier, j'ai un jeu qui est sorti encore au line-up de la console. Alors, tu n'as peut-être pas d'image, mais c'est Dynamite Cop. Dynamite si. DK2. Dynamite DK2, si, je l'ai mis. Dynamite Cop, c'est en Jap. Et Dynamite Dynamite Cop, c'est en PAL, pardon. Et Dynamite DK2, c'est en Jap, parce qu'il y avait une... Ouais. C'est la suite de Die Hard Arcade, il avait été appelé comme ça en arcade. Ah oui, j'en avais entendu parler de celui-là, j'ai jamais joué. C'est un beat them all. Nous, on connaît les beat them all sur 16 bits, façon Street of Rage, etc. Ben là, c'est un beat them all en 3D, qui est ouf. Ah, c'est énorme. Énorme, c'est du... C'est, t'as connu Fighting Force ou pas? Ouais, mais ce jeu, avec vous montrer. Redites-moi le titre. Dynamite DK. Ouais, j'en avais entendu parler, putain, j'avais complètement zappé. Ah ouais, il a l'air mortel. Ouais, en fait, c'est la suite de Die Hard. Aux États-Unis, il l'avait appelé Die Hard Arcade. Donc en fait, ça reprenait l'histoire de Die Hard avec Bruce Willis. Donc le personnage, c'était Bruce Willis, tu vois. Mais dans un monde complètement rien à voir, mais il l'avait appelé Die Hard, tu vois. Et en fait, t'avais le personnage qui était vraiment Bruce Willis dans Die Hard, le premier. Et, non. Et après, dans la suite, ils n'ont pas re-eu les droits et ils l'ont changé en l'appelant Dynamite DK ou Dynamite Cop. Et dès d'ailleurs, il y avait déjà ces phases au ralenti, tu sais, quand il se passe une action. Et les QTE, c'est un des premiers jeux avec les QTE, c'est celui-là. C'est ça. Avant Shenmue. Avant Shenmue, ouais, on est d'accord. Avant Shenmue, ouais. Et puis, ce qu'on ne dit pas, c'est que dans ce jeu-là, on peut choper des pistolets, on peut tout choper, des lances, des battes, des fauteuils. Des missiles. Hey, non, mais c'est les Mole 3D, ils étaient vraiment sympas comme Fighting Force. Et, ce qui est dommage, par contre, tu vois, dans le genre de jeu arène à 4 comme Power Stone, j'ai l'impression que c'est un genre qui a complètement disparu, qui pourrait totalement renaître sur Switch. Ah oui, clairement. La console, il devrait ressusciter Power Stone et faire des remakes d'ambition. On s'éclaterait à 4, ce serait parfait. Ah oui, ouais, je valide. Ça serait parfait. Tu sais que Power Stone, après, il était ressorti dans une collection sur PSP. Power Stone 1 et 2 dans le même UMD. Alors, je savais pas, j'ai très très peu joué à la PSP. Moi, plus sur Vita, mais moins PSP, j'ai trouvé que c'était un peu une roadcap. Là, on va voir une phase. Voilà. C'est cette phase. Quand tu rates,
quand tu rates, tu as un autre embranchement que quand tu réussis ton QTE. C'est excellent. Ouais. Franchement, c'était ce jeu-là, même aujourd'hui, même si on J'ai joué avec mon fils sur ma borne, donc je connais. DG, je te conseille, franchement, ça peut valoir le coup de d'y jouer un petit peu. Ah, mais grave. Tu vas kiffer, clairement. Non, mais c'est là où tu vois, il y avait plein de concepts dans tous les sens. Maintenant, les jeux, les genres convergent, tous ressemblent. J'ai l'impression que les gros budgets, tous ressemblent de plus en plus. Il n'y a pas d'originalité. À l'époque, il y avait plein de trucs frais. Ils misent sur la technique aujourd'hui, ils nous en mettent plein les yeux. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont forcément réussir. Bah, pas pour des joueurs comme nous qui ont connu cette époque où on s'en prenait plein la vue tout le temps. Est-ce qu'on reste dans cette même lignée de Dynamite Cop et on parle un peu de Zombie Revenge ou... Allez, ouais, Zombie Revenge. Tu l'as connu celui-là déjà à l'époque ? Non, je suis passé à côté. Alors, Beat'em All encore une fois, sauf que là, dans l'esprit zombie, comme tu peux l'observer. Donc, c'est un peu comme le Dynamite Cop, sauf que là, avec des flingues. Si tu veux, c'est un Resident Evil, mais en Beat'em All. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas comment tu le vois. C'est ça, c'est ça. C'est un Beat'em All d'horreur. Il n'y en a pas eu 50 000. Donc, tu as surtout des armes, mais tu peux te battre avec tes pieds et tes poings. Tu as le pistolet, tu vois. Ouais. Tu peux ramasser des plantes comme dans Resident Evil qui te remontent ta vie. Voilà. Mais c'est une ambiance House of the Dead, en fait, en Beat'em All. C'est ça. J'aimerais bien qu'on fasse une parenthèse rapide sur les magazines et les notes attribuées au jeu Dreamcast à l'époque. Est-ce que ce jeu a eu des bonnes notes? Ça m'étonnerait fortement. Il me semblait qu'il a eu un peu plus de 80%, il me semble, mais on en parlera après. Ouais, je pense que c'était pas mal. Hein. Après, 80, ça dépend où. Console Plus, 80%, c'était pas terrible. Ouais, je sais plus, ouais, t'as peut-être raison, c'était peut-être Console Plus. Non, mais j'y repense, parce qu'il y a des jeux à côté desquels je suis passé volontairement à cause des notes dans les magazines. Mais la Dreamcast, je trouve que globalement, elle s'est faite saquer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Ouais. Shenmue, il y a eu 91% sur Console Plus. Ouais. Virtua Tennis, qui est le jeu de tennis de l'époque, il a eu 94%, ce qui est moins que Mario Tennis, qui a eu 95%. Ouais, je sais que les Sonic Adventure n'ont pas eu non plus des notes ultimes, contrairement évidemment à Mario qui était les chouchous d'AHL. Cette console, globalement, en fait, sur les titres phares, elle s'est faite saquer. Et malheureusement, il y a quelques jeux qui devaient être super, mais à côté desquels je suis passé à cause de la réception de la presse. Et ça, ça a l'air super sympa, ce Zombies Revenge. Zombies Revenge, c'est une adaptation de la borne. Hein. Il existe en arcade aussi. D'accord. Malheureusement, ils arrivaient à transmettre leur message. Hein. C'est-à-dire que la plupart des consommateurs, et même aujourd'hui, hein, ils se fient aux avis entre guillemets, des spécialistes hein, qui sont payés pour ça, pour faire les tests, pour faire les réalisations. Moi, le premier, à l'époque de la Mega Drive, etc., on feuilletait les magazines, on les lisait, et puis on essayait de voir ceux qui avaient le plus de pourcents. Alors que finalement, on se rend compte avec les années qu'ils n'avaient pas forcément raison. Mais c'est ça. À quelle époque vous avez arrêté de vous fier aux avis de la presse? Moi, c'était déjà le cas à l'époque de la Dreamcast. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ah ouais, mais moi, j'étais encore à fond dedans, malheureusement. Moi, je portais une confiance aveugle parce que je lisais tout. Hein. Je crois que Player One, c'était quasiment fini. Mais je lisais encore Console Plus, Joypad, Dream Zone aussi. J'ai acheté Dream Zone pour la Dreamcast. Dream Zone, ouais, le magazine Dreamcast. Ouais. Et j'en ai encore, et je me souviens encore de ce qu'a dit un mec sur la preview de Sonic Adventure 2. Ah, je le sortirai tout à l'heure quand on présentera Sonic Adventure 2. Ouais, voilà. Je sais, tu l'as raconté, mais on en parlera après. En 2002-2003 à peu près, la Dreamcast, elle était morte en France. Les magasins, ils se débarrassaient des jeux Dreamcast. Et moi, bon, j'étais redevenu collectionneur hein, à ce moment-là, j'étais adulte. Et je me suis fait plaisir, je me suis repris quelques jeux Dreamcast tout neuf. Ouais. Voilà, sous blister, tout neuf, tout frais. Et celui-ci, je me suis fait plaisir. Et je me souviens que les jeux à la base, ils valaient 399 francs. Lui, à sa sortie, il valait 399 francs, en tout cas. L'équivalent de 60 euros, on va dire, sans l'évolution, 60 euros. Et ils étaient soldés à 15 euros la plupart. Il y avait lui, il y avait Mortal Kombat Gold. Il y en avait une bonne vingtaine, je pense, que je m'étais pris à cette époque-là. Dont le Marvel versus Capcom 2. On y viendra peut-être. Hein. Une tuerie monumentale. Je l'ai acheté au Japon en plus. Mais... Allez, on aborde juste un jeu qui est important, c'est Virtua Tennis. Donc Virtua Tennis, il faut savoir qu'aujourd'hui, je le pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a jamais eu mieux. Même si sur Xbox, il y avait un jeu de tennis, j'ai oublié le nom, tu vois, pour te dire, mais je l'ai oublié, ce jeu. Le premier vrai jeu de tennis,
où on reconnaît vraiment. Top Spin. Oui, mais attends, c'est le premier où on reconnaît. Oui, il y avait Top Spin sur. Mais Xbox, elle est sortie après. Hein. Ben ouais, ouais. Non, non, mais c'est le premier jeu où on reconnaissait vraiment les personnages. Non, mais il n'y a jamais eu mieux en termes de plaisir de jeu de tennis. Pour moi, ça, il n'y a jamais eu mieux que celui-là. Pour te dire, aujourd'hui, j'ai le 4 dans la borne et j'y joue sur la borne. Alors, il y a eu le Virtua Tennis 2. Ouais. Quand même, sur Dreamcast, oui, mais pour ouais. te dire, le concept de Virtua Tennis, puisqu'il n'a pas beaucoup évolué, si tu veux, il n'y a jamais rien eu de mieux dans les jeux de tennis. Là, on est dans le 1. On voit Jim Courier, par exemple. Mmh. Moi, j'étais fan de Jim Courier. Vous n'avez peut-être pas connu. Si, si. Hein, Jim Courier qui a gagné Roland-Garros 2 fois. C'était la star américaine numéro 1 mondial. Et quand j'ai vu qu'on pouvait jouer avec Jim Courier, on ne le voyait jamais dans les jeux, j'étais fan. Et moi, je vais vous dire, moi j'étais content pour un truc, c'était Cédric Pioline. Et oui, Cédric Pioline, c'est dans le 2. Dans le 2, il y a Cédric Pioline. Ouais. Ah, c'était dans le 2, Cédric Pioline. C'était pas dans le premier ? C'est dans le 2. Alors, c'était dans le 2, mais parce que j'ai vu Cédric Pioline en vrai, lors d'un match au Maroc, où l'entraîneur, c'était Yannick Noah. Oh là là ! En Coupe Davis, c'est vrai. Excellent, excellent. Et bah, tu vois, il a des anecdotes magnifiques, DG. Ce jeu-là, on peut venir. Alors, quand je dis ce jeu-là, on va parler des deux, hein, Virtua Tennis 1 et 2. Ils avaient un double sens. Le sens versus avec le pote. Alors, on se faisait vraiment plaisir. Ouais. Et puis le mode World Tour, je crois qu'il s'appelait comme ça. Ouais. Qui était terrible. Mais horriblement dur. Ouais. Non, mais c'était terrible. Il y avait une belle évolution. C'est-à-dire, on gagnait des sous. Le mode entraînement avec les mini-jeux, avec les balles, tu devais les placer. C'était fou. Du coup, là, tu as montré des images du 2, en fait. Ça, c'est le 1, ça. C'est le 1. Ah non, il a raison. Il était déjà dans le 1. C'est déjà clair. Il a raison, DG. Est-ce que vous vous souvenez des deux personnages de l'enfer qu'il fallait débloquer ? Ah non, ça me plaît. Master et King. Je le sais parce que je me suis cassé le cul. Non, mais le jeu était vraiment dur en arcade. Vraiment dur. Ils étaient tout habillés avec le pantalon ? Je sais plus à quoi ils ressemblaient, mais je me souviens de leur nom, Master et King, parce que ces deux enfoirés, croyez-moi, oui, je les ai débloqués. Moi aussi. En fait, on gagnait il y avait les entraînements où on pouvait faire évoluer le personnage, comme dans un RPG. On gagnait des sous, on pouvait acheter des raquettes, on pouvait acheter des équipements. Et ouais. on allait de plus en plus dans des gros stades. Et effectivement, on pouvait débloquer effectivement ces deux. Et il me semble que tu pouvais changer aussi tes vêtements, la couleur de tes vêtements. Ouais. Oui, c'est sûr. Tu changeais les tenues. Ah non, il était ouf. Et en fait, moi, c'est pas moi qui ai voulu acheter ce jeu, c'est mon père. Il était fan de tennis. À l'époque, c'était encore la mode. Comme la Formule 1, d'ailleurs, la Formule 1, ça a complètement disparu. Et c'est fou, ça sert. On n'a plus de jeu de Formule 1 maintenant. À l'époque, ça. Il y a toujours, si. Maintenant, il y a Codemaster qui font un Formula 1. Mais c'est la même. C'est devenu comme FIFA, c'est la même soupe qui est resservie chaque année, en fait. D'accord. Voilà, Formula 1. Codemaster, donc ceux qui ont fait les Colin McRae à l'époque. Mais Virtua Tennis, en tout cas, ouais, c'est une sélection de mon père. Et quelle sélection, parce que... Ah, quelle sélection. C'est un jeu de tennis que j'ai surkiffé. C'est un jeu que j'aurais mis, là, si tu me demandais 5 jeux Dreamcast, j'aurais hésité à le mettre dedans, puisque j'ai passé de très, très nombreuses heures dessus. Ah, attends, on pose toujours la question à la fin du... Pardon. On va y venir. Excusez-moi. Mais du coup, mon père m'en a voulu, parce que forcément, moi, j'ai voulu débloquer Master et King, donc je suis devenu très fort au jeu. Et quand on jouait le soir, lui il rentrait du temps de boulot. Bon allez Guillaume, on sortit Virtua Tennis. C'est tout le temps lui qui voulait faire Virtua Tennis. Ouais, et moi j'avais dosé à fond, tu vois. Et je l'explosais et je faisais exprès de perdre pour pas trop l'énerver. Ah là là. Moi j'ai connu ça avec mes grands frères. Hein. Ouais, moi j'ai une belle anecdote aussi, c'est que j'ai un pote, Mathieu, peut-être qu'il regardera cette vidéo. Qui était le pote de mon grand frère et qui achetait tout. Qui achetait tout le temps. Et moi, j'étais content que mon pote ait un frère qui achète plein de jeux. Sauf que ce n'était pas mon pote à moi. Et à un moment donné, j'avais 16 ans à l'époque de la Dreamcast. Hein. À sa sortie, en tout cas, au Japon. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, si tu veux, tu viens chez moi et puis tu pourras jouer avec moi. Il n'y a pas de souci, je viens te chercher en voiture. Et à partir de ce moment-là, tous les week-ends, j'allais chez lui. Et il avait quasiment toutes les sorties. J'avais cette chance-là d'avoir toutes les sorties Dreamcast, Jap, etc. Et vraiment, il achetait tous les jeux. Et le Virtua Tennis, on l'a saigné des week-ends. Ouais. Si on regarde la vidéo, il doit s'en souvenir. On a passé un temps fou. Alors, le 2 en particulier. Ouais, le 2 était encore plus chronophage et encore plus ouf. C'était clairement encore mieux que le premier. Très long. Et je m'en souviens encore. Hein. C'est comme quoi, ouais. C'est des souvenirs marquants. Ah
Ah, mais ouais, c'est un des jeux. Excellent l'anecdote avec ton père. Tu t'es dit si. J'ai ouï dire que, pour répondre à ta question, Bicam, il paraît que Top Spin 4 serait encore meilleur. Mais je ne l'ai pas fait. Non, moi, pour moi, Top Spin, j'ai fait le 1 et le 2. Et après, c'est fini. Le 4, je ne l'ai jamais testé. Il paraît que le 4 est vraiment génial ici. Mais d'ailleurs, Vivi 300 a sorti un test, hein, ou une vidéo pour en parler. Et ça fait plusieurs fois que j'entends ça, que le 4 est génial. Et moi, je suis resté sur. D'ailleurs, c'est les derniers jeux de tennis que j'ai achetés. Alors, juste pour revenir sur quelques points qu'on a oublié d'aborder, parce que j'y pense. Alors, tu m'as parlé de Top Spin 4, je t'explique la connexion dans ma tête. J'ai pensé au tournoi que je faisais en ligne de Top Spin 4, parce qu'on pouvait jouer en ligne. Mais la Dreamcast, c'est aussi la première vraie console. Il y en a eu, hein. Je pense que c'est la première vraie console. Bah, on va aborder le jeu ADG, on est obligé. Qui commence par un P. C'est ça. Mais là, on est parti pour une demi-heure, les mecs. Non, ouais, bah là je pense que ouais, on va essayer de faire. Est-ce que t'as limite de temps, Bicam, dans ton émission? Non, d'habitude c'est à peu près une heure et demie max. Ah, je crois qu'on va les exploser aujourd'hui. Mais... Non, mais, tu seras le premier. Fantasy Star, c'est ça, DG. Allez. Fantasy Star Online. Vas-y, j'ai fait la même chose que lui, mes parents, ils m'ont massacré. Ils m'ont tué, mes parents. Vous avez tous joué à Fantasy Star Online? Moi j'ai joué à Fantasy Star Online, en ligne. Aussi ouais, moi j'y ai joué aussi. Alors, je veux vous écouter d'abord sur ce jeu. Parlez-moi de ce jeu, les mecs, faites-moi rêver. Vas-y. Alors, moi pour dire la vérité, j'ai joué un peu sur Dreamcast. J'ai arrêté ensuite parce que ça arrivait à un stade où je suis passé à autre chose. Par contre, j'ai rejoué ensuite sur GameCube parce que la GameCube bénéficie du portage épisode 1 et 2 de la Dreamcast. Exact. Et pour moi, c'était les prémices un peu de Xenoblade. Je ne sais pas si vous connaissez Xenoblade. Ouais. Et c'était vraiment les prémices, c'était eux qui sont rentrés dans ce genre de jeu. Et ouf, tu sais, côté RPG, moi, Biggie, tu connais mon côté RPG. Et toi, Biggie, tu as joué un petit peu aussi. Moi, tu sais, j'ai des souvenirs qui me reviennent. J'en ai parlé une fois dans un live. C'est que j'ai des souvenirs de crainte et de peur que je faisais des choses un peu transgressives quand je jouais en ligne. Il y a deux jeux que j'ai joué en ligne comme ça sur la Dreamcast, c'est Quake 3 Arena et Phantasy Star Online. Et le problème, c'est que j'avais défoncé la facture de téléphone. Et quand j'ai joué la première fois, je me disais, mais où je suis? En fait, j'avais l'impression d'aller dans un monde parallèle. Tu vois ce que je veux dire? Et j'arrivais dans le monde, parce que c'est la première fois que ça me faisait ça, où je me projetais dans ce monde et je voulais plus en sortir. C'était là où tu voyais les premiers dangers du jeu en ligne. Et c'est vrai que moi, quand je jouais avec mon pote KX, parce que lui, il l'avait aussi, après on jouait ensemble, on se donnait rendez-vous pour jouer. Et puis, c'était le fait de pouvoir arriver, de faire des missions avec d'autres gens, etc. Je disais, putain, c'est des vrais gens qui jouent, tu vois. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures, alors que c'est un concept super répétitif, mais tellement, tellement immersif. Vraiment exceptionnel. J'ai vraiment des souvenirs, je te dis, je jouais avec la boule au ventre. Parce que je savais que... Non, parce que le concept est répétitif, mais comme tu ne sais pas avec qui tu vas jouer... C'est ça. Ça reste quand même un peu innovant. Mais totalement. Je parlais de Xenoblade avec un pote il n'y a pas longtemps, c'est vraiment le même concept. Hein. Et je disais, les missions finalement... Parce que dans un monde. Tu sais, quand tu te connectais, ça mettait du temps, tu sais, il y avait les petites étoiles, tu vois, il y avait ce truc-là, ça me faisait une sensation, c'est inexplicable, je peux même pas te dire la sensation que ça me faisait. T'as joué auquel? Les sons étaient particulièrement bien choisis. Ouais. C'est ça. T'as joué auquel, l'épisode 1 ou... J'ai joué à tous les épisodes. Ah ouais, d'accord. C'est un énorme fan de la série, lui. Même celui sur PS2? Non, parce que sur PS2... Ah si, Phantasy Star Universe, mais pas parce qu'ils n'ont pas sorti Phantasy Star Online sur PS2, il y a Phantasy Star Universe... Non, c'est l'univers, c'est ça. Qui est vraiment pas terrible. Mais non, PSO, l'histoire, c'est que j'étais au collège en 3e, et j'ai un pote qui m'en parle. Il me parle de ce truc-là, parce qu'il me dit, voilà, t'as la Dreamcast, t'as pas encore beaucoup de jeux, il faut absolument que tu l'achètes, on va y jouer ensemble, c'est online. Et moi, je savais même pas qu'on pouvait jouer online avec la Dreamcast. Du coup, heureusement chez moi, tu vois le décor de Padawan, Vivi. Oui. Tu vois comment c'est chez moi. Ouais. Et, en fait, à l'époque, à la place des Néons et compagnie, je jouais vraiment à cet endroit. Tu m'as dit plusieurs fois. Ouais. J'avais ma petite télé cathodique, un peu comme ce qu'on voit dans les premiers épisodes de l'ancien Padawan en 2011. Ouais. J'avais ma télé cathodique qui était au centre de la pièce, j'avais un petit fauteuil. Et heureusement, j'avais une prise 56K. Qui arrivait là-bas? Oh là là. Arrivé jusqu'en haut.
Donc j'ai pu brancher et raccorder la Dreamcast au mur. Et j'ai acheté PSO sur ses conseils, je l'ai écouté. Ah, J'ai c'est lancé le fait. jeu. Mais effectivement, tu fais bien de le dire, les sons, quand tu lances le jeu, tu sais, t'es dans cette espèce d'espace avec les étoiles, tu peux faire tourner avec ton joystick. Un joystick, ouais. T'as l'étoile qui tourne et t'as le son. Au début, j'ai un peu de mal à m'y mettre, comme tout MMORPG. Mais une fois que t'es dedans, ça m'a sucé la vie. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je rentrais du collège, moi j'étais en troisième, c'était un endroit qui était très morne. Puis moi, je revenais de Singapour. J'ai trouvé que les Français avaient un très mauvais état d'esprit quand je suis arrivé en Ouais, bah France. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Parce que les gens étaient extrêmement optimistes à l'étranger, que ce soit au Maroc, au Zimbabwe, à Singapour. Les Français, je les ai trouvés gris, déprimés. C'est terrible parce que moi, tu vois, on pourrait me dire, ouais, t'es tout le temps aigri et tout. Parce J'étais que pas t'es du tout comme devenu ça. comme ça, ils t'ont Ouais, changé je crois que peut-être. c'est la France m'a, la vie aussi m'a rendu comme ça. Mais à l'époque, j'étais quelqu'un d'extrêmement optimiste. Les Français m'ont complètement déprimé. Je passe sur tout le reste. Je passais des journées de merde au collège. Mais heureusement, j'avais un pote qui s'appelait Ronan qui était aussi geek que moi. On était les deux seuls vraiment à aimer les jeux vidéo. C'était le seul aussi qui avait la Dreamcast. Ouais, tu me parles souvent de Ronan, d'ailleurs, qui connaît aussi Flavien. Ouais, bah, c'était mon meilleur ami à l'époque. On se parlait tout le temps. Puis on était vraiment geek à fond. On était les seuls dans le lycée, enfin, dans le collège en troisième à aimer les jeux vidéo comme ça. On achetait tout ce qu'on pouvait. On était à fond. On lisait les magazines et c'était le seul qui avait cette connaissance comme moi en jeu vidéo. Bref, PSO, je m'embarque dedans. Dès que je rentrais du collège, dès que je pouvais, dès que j'ai fini mes devoirs, j'allumais la console. Ce qui m'a valu des factures de téléphone. Une fois, on m'a mis une facture à 1500 francs. C'est là où j'ai arrêté de jouer parce que mes parents m'ont dit c'est plus possible. 1500 francs, quoi, vous vous rendez compte? Le prix d'une console. Mais quel souvenir sur ce jeu, les mecs, c'est un ensemble, c'est inexplicable. En fait, c'est le genre de jeu. C'est ça qui est bien. Maintenant, on est trop gâtés, c'est que maintenant, tu sais, on achète la console, tu as la connexion Internet illimitée, tu fais plus attention au temps que tu passes sur les jeux, ni sur Internet, ni rien. Puis tout est facile. À l'époque, tout était compliqué, tu vois. Tout à l'heure, Khaled, tu parlais de la version GameCube. Sache que j'ai acheté PSO 1 et 2 sur GameCube, j'avais acheté l'adaptateur sur GameCube, j'avais Mais le donc. câble RJ45 double croisé que j'ai encore, j'ai Ah, finalement pas pour le excellent. PC, et je n'ai jamais réussi à connecter la GameCube parce Non. que fallait connecter la GameCube au PC ou à la C'est ça. box. Et à C'est l'époque, ça, moi parce que j'avais c'était la l'espèce box. de Raymanta verte Wanadoo là. Voilà, moi aussi, j'avais la Raymonta qui était que Et en je USB. jure, ça n'a jamais marché la GameCube, je n'ai jamais réussi à la mettre sur Internet alors que la Dreamcast, j'ai réussi, tu vois. Mais c'était compliqué, ça coûtait cher, t'avais un temps limité. Tu savourais ces heures, tu vois, avec les gens. J'avais le clavier Dreamcast, je parlais, tu pouvais parler en direct avec les gens. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un truc qui était génial. Bon, moi, j'étais un énorme escroc sur PSO, c'est que tu pouvais faire des échanges. Et ce qui était génial, c'est tu dis à un mec, tu lui écris, tu vois, souvent avec des Anglais, I'm going to exchange this weapon versus this weapon, et les deux, ils drop la même. En fait, ça tombait sous forme d'item orange, tu te mettais à 10 mètres l'un de l'autre. Et ensuite, on arrivait sur l'objet de l'autre. Et moi, en général, je laissais un objet de merde pendant que lui me laissait un objet rare. Et mec, le mieux, c'est que quand quelqu'un mourait, quand il tombait à terre, il laissait tout son pognon qu'il avait sur lui et Il son donnait pas arme. tout ce qu'il avait, ouais. Et son arme. Et ça, c'est tout. Et tu pouvais tout voler, les mecs. Ouais. Ça, ils l'ont enlevé par la suite, quand ils ont fait PSO version 2 sur Dreamcast, où là, ils ont fait la connerie de mettre un truc Guild Card. En gros, fallait se faire un compte Sega sur Internet pour jouer au jeu. Ça, ouais. Donc malheureusement, bah, j'ai eu le jeu, mais j'ai pas pu faire le compte, fallait mettre sa carte de crédit, enfin, j'étais trop jeune. Mais non, mais c'est des centaines d'heures, des milliers d'heures de souvenirs avec des gens du monde entier, des Français, essentiellement des Français quand même. Des sons qui te restent dans la tête tout à l'heure, tu vois, quand je te voyais dans le niveau forest avec l'arme, là, l'épée, tu vois, j'ai les sons en tête. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai les Moi, je sons. te marque Non, mais parce que rien que moi, le hub, là, le hub qu'on voit, ce hub-là, moi, il m'évoque des souvenirs, mais extrêmement puissants. Et la musique, je la connais, c'est tin, 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 Ouais, c'est ça, c'est ça. tin, Ouais, je m'en la musique rappelle. de Pionnière 2, la Je musique me de souviens. Pionnière 2, elle sera en tête à jamais dans ma tête. C'est. Ah. Et auparavant, en plus, t'avais jamais joué à de Phantasy Star sur Mega Drive. Non, parce que les RPG, ça n'a jamais été mon truc.
Et c'est quand tu es venu en... mon premier contact avec cette licence de Sega. Mais c'est un ensemble, c'est les couleurs, l'univers. Et en fait, Monster Hunter, vous voyez, là je suis tombé dedans il n'y a pas si longtemps, ça me fait beaucoup penser à PSO. Mais je pense que Monster Hunter, à PSO également. Bah, tu sais, il y a un message que tu n'avais pas vu le jour où tu as fait ta première vidéo. Je suis venu sur Monster Hunter. J'ai dit, je comprends pourquoi DG a aimé ce jeu. Ça doit lui rappeler PSO. J'aimerais bien retrouver le message dans le chat que je t'ai mis. Il y avait tellement de messages ce jour-là, tu sais, que tu n'as pas pu le lire. Mais c'est exactement ce que j'ai mis. C'est exactement ça. Je retrouve la vague de PSO avec les petits sons... chasser les monstres, les objets rares. Ça m'a fait la même sensation. Mais et tu y as joué en ligne ou pas? À PSO? À Monster Hunter. Ah oui, bah j'ai joué essentiellement en ligne à Rise et à World Ice Band. Mais tu vois, c'était la quête d'objets rares sur PSO qui était géniale, qu'on retrouve dans Monster Hunter. C'est passé des dizaines d'heures à trouver l'arme rare. Tu vois, par exemple, il y avait le Twin, je ne sais plus quoi, un double sabre bleu. Je ne sais plus comment il s'appelait le nom exact. Il y avait l'Egg Blaster qui était une arme bannie. Que des gens. Sacré souvenir. Moi, je... Ils avaient réussi à hacker le jeu. Parce qu'on pouvait pas. Le Egg Blaster, tu pouvais pour l'avoir. Soit je crois que tu pouvais l'avoir dans le solo, mais c'était extrêmement rare. Mais il y avait des gens qui l'avaient hacké. Mais tu ne pouvais pas avoir cette arme online. Mais il y avait des gens qui avaient hacké le jeu et qui pouvaient l'utiliser online. Jouer online avec quoi. Et j'avais trouvé des hackers qui m'affilaient toutes les armes interdites. Tu avais aussi le Sonic Knuckle. C'était des armes de poing qui étaient interdites. Non, mais c'est... Puis c'est l'échange avec les joueurs. C'était parce que c'est quoi vos premiers souvenirs d'Internet? Mon premier souvenir, c'est à Dubaï chez un pote, un collègue de mon père qui habitait à Dubaï et son fils. Je me souviens, c'était en 97-98, ils avaient Internet. Moi, j'avais pas encore Internet parce que j'étais encore au Maroc en 97. Et je sais plus comment s'appelait ce truc pour dialoguer avec les gens. C'était pas Caramel, hein, c'était un autre truc. Ouais, c'était. Non, je me rappelle, c'était non IRC, les chats IRC. Et ça, MIRC. MIRC. Et ça, la première fois que j'ai vu ça, c'était de la magie pour moi. C'était de la magie par mec. Écrire un mec qui est je sais pas où dans le monde. Mais DG, plus que ça, c'était draguer dessus, c'est tout. Moi j'étais trop jeune. Moi j'étais innocent, excusez-moi. Tu vois, sur Dreamcast. Ah, bah oui, moi je vais pas te mentir, mais moi j'étais plus âgé que lui, donc c'est normal. Moi c'était différent. Mon premier souvenir avec Internet, c'est marrant, c'est encore pour le sport, parce que aujourd'hui, il y a un vieux match, un vieux. Voilà, un vieil événement qu'on a envie de revoir, on va sur YouTube, on le voit. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de possibilité de ça. Et le début d'Internet, ça commençait. Il y avait certaines pages, etc. Ouais, il y avait des pages, mais c'était des photos. Alors, moi, la première fois, je te dis, où j'ai vraiment profité d'Internet... Oui, ouais, mais ça, c'est bien plus tard. Moi, c'est les vidéos plus tard, mais c'est bien plus tard. Moi, au tout début d'Internet, la première fois que j'ai vraiment découvert Internet, ce que c'était, bon, il y avait chez mon pote avec les IRC, mais là où j'ai compris le online, en fait, je venais d'arriver au lycée, et quand j'arrive dans ce lycée, ben, j'étais allé dans un autre lycée que mon collège de secteur. J'étais allé un peu plus loin. J'arrive dans ce lycée et il y a un mec qui se faisait un peu mettre à l'amende par tout le monde. C'était un peu un geek à l'époque, un vrai geek, mais un vrai de vrai. Hein. Et il voyait que moi, deux, trois fois, je l'avais défendu contre deux, trois mecs qui voulaient le mettre un peu à l'amende. Et ce mec-là, il s'appelait Xavier, je m'en rappelle, et il vient me voir. Il me dit, ouais, je peux te parler et tout, Kamel. Je lui dis, quoi? Il me dit, écoute, merci d'avoir fait ça pour moi. Il me dit, est-ce que tu serais libre mercredi soir? Je lui dis, ben pourquoi? Il m'a dit, je vais t'amener dans une soirée Internet, il te faut 5 francs. Je dis, ah bon, et tout. Il me dit, ça t'intéresse de découvrir ce que c'est qu'Internet? Je lui dis, ben ouais, pourquoi pas. Il m'amène avec lui, donc, dans Lyon, dans une grande salle. Et en fait, c'était une salle où il y avait les jeux de plateau. Et ils avaient fait une nuit Internet. Tu payais 5 francs l'entrée. Et tu jouais toute la nuit à des jeux en ligne. Et le premier jeu en ligne que j'ai joué, c'est Quake 2. Quake 2 en ligne. Et je me souviens, on jouait contre des mecs, mais ça m'avait fait rêver. Des mecs qui étaient à Marseille, des mecs qui étaient aux États-Unis. Et on jouait à Quake 2 en ligne, ça se jouait à 6 contre 6, je crois. Mais c'était incroyable, incroyable. Non, mais c'était réel. C'était de se dire que tu connectes avec quelqu'un, mais juste le fait d'écrire. Et là, tu vois, ce qui est fou avec PSO, pour accorder à PSO, c'est qu'à l'époque, on avait tous une connexion de merde en 56K. On n'avait pas encore ADSL, il me semble. Non, bien après PSO. Et ce qui est fou, c'est de te dire que la connexion de PSO était nickel parce que tu écrivais à des mecs qui te répondaient en direct. Tu chattais avec des gens. Et je jouais avec une fille qui m'a beaucoup formé sur PSO, qui avait 16 ans.
qui s'appelait Delphine, je me rappelle encore. T'as une mémoire, et c'est elle qui a toutes les bases de PSO, parce qu'elle, elle joue un mage. Et du coup, j'ai créé. En fait, c'est elle, en fait, c'est grâce. Enfin, c'est à cause d'elle que je crée des personnages féminins dans les jeux vidéo. depuis PSO. Monster Hunter, il a une femme dedans, j'ai vu DG. De quoi ? Dans Monster Hunter, c'est une femme que t'as fait. Ouais, mais je fais toujours des femmes, et en fait, c'est depuis PSO, c'est qu'en fait, j'avais créé un mec qui s'appelait Kenny, en référence à South Park, qui était un Yumar avec des cheveux en pétard vert. Et quand j'ai joué avec Delphine, elle joue un mage, une nana, et j'avais tellement kiffé les vêtements qu'elle utilisait, qu'après j'ai fait un mage en la copiant, j'ai pris les mêmes vêtements en vert, j'ai pris je sais plus la classe, et elle m'avait formé à fond, et tu vois, c'est des heures et des heures de fun avec elle, qui m'apprenait tout sur le jeu, tu vois, et on s'est marré, on s'écrivait des conneries, on s'échangeait des armes, c'était génial, c'était génial. Non mais t'as raison, c'était les prémices d'Internet, parce que c'était trop cher, moi mes frères me mettaient un frein... direct, il n'y avait pas de discussion, c'était pas possible. Même quand on était sur Internet, ils disaient bon, là vous avez 5 minutes, pas plus, ils nous chronométraient, c'était ouf. Mais ouais. Tu as raison, là je pense qu'il t'a sacrément bien marqué le jeu DG, parce que pour avoir les souvenirs que tu as, ça date de 20 ans, je pense que tu as dû vraiment être marqué par ce jeu. Ouais, ça reste ancré à jamais, mais c'est le jeu de ma vie. Hein. Mais ça m'a formé aussi, tu vois, à plein de trucs. C'est inexplicable. J'avais fait une petite ridou, j'avais essayé un peu de transmettre mes émotions. Mais ce jeu, il faut l'avoir fait à l'époque. Tu peux pas maintenant y jouer. Tu peux encore y jouer, tu vois. Tu peux l'émuler, etc. Peut-être que tu as encore des serveurs online qui sont ouverts. Tu as peut-être des moyens, tu vas te pirater. Mais jamais tu retrouveras le feeling. La sensation. Que c'était à l'époque. Parce que ça allait avec tout. Parce que c'était les débuts d'Internet. Qu'on avait une connexion pourrie. C'était la totale. Tu pourras jamais retrouver ça. Jamais. Non, c'est vrai. C'est vrai, ce que j'allais dire sur les jeux modernes aujourd'hui, il y a les Monster Hunter, les Xenoblade, qui ont quand même ce même univers. Moi, j'aime bien. C'est pour ça aussi que, Padawan, je voulais te faire m'engrenier le décor. C'est que je sais que j'ai beaucoup joué à PSO à cet endroit-là, et je voulais absolument que le décor soit à cet endroit. Ah ouais. Mais ça n'aurait pas pu être autrement, j'ai envie de te dire déjà. Je regardais vers le mur. Maintenant, je regarde vous, direction caméra, mais je regardais vers le mur à l'époque. Avec ça. Ouais. Je pense que c'est le jeu qui t'a le plus marqué de tous les temps, DG. Ouais, mais c'est étonnant parce que tu vois, c'est un MMORPG. T'as pas vraiment de scène. Enfin, il y a un petit scénario, mais il est intéressant. Ouais. Mais il y avait une bande-son aussi. La bande-son était exceptionnelle. Le thème Dark Falls à la fin, c'est quand tu finissais le jeu avec ta team, t'étais content, tu vois. Le thème de fin est magnifique. En fait, c'est la connexion avec les joueurs, les souvenirs qu'on a partagés ensemble et la musique et les sons. Tu vois, les sons, c'est super important. Les sons, c'est très important. Moi, ouais. C'est souvent le son qui m'évoque une sensation particulière. Moi, je faisais de la musique, mais toi aussi, DG. Et je pense que pour des gens qui sont comme ça, qui aiment beaucoup la musique, le son, c'est très important. C'est ce qui est resté des centaines d'heures sur des jeux, en fait. Ouais. Sur ce genre de jeu. Une chose qui n'a rien à voir, mais parce qu'on parlait de la Dreamcast comme la première console à introduire Internet, la première console à introduire le 60 Hz en France, en tout cas, en Europe. Moi, c'est aussi la première console avec laquelle j'ai émulé la Super Nintendo. C'est-à-dire que j'avais un CD avec l'émulateur. Toutes les ROM, ouais. Et je jouais à la SNES. Et c'était la première fois que je voyais ça, en fait. Je ne connaissais pas l'émulation en soi. Moi, on achète un jeu, on peut le graver à la limite un jeu. Moi, j'ai connu le premier MAM. Donc, moi, j'ai connu MAM 32, le tout premier qui est sorti. Non, je ne savais pas que c'était possible. C'était en 2001, ça? Oui. Quand elle a été piratée, la Dreamcast, tu avais un CD SNES, tu le mettais dedans et tu avais toutes les ROM. Tu avais pas mal de jeux dessus. Je l'ai encore, d'ailleurs. C'est ouf. J'ai encore secret SNES dessus. Ouais, c'était ouf. Et puis, il y avait Blimcast pour jouer à la PlayStation 1. Je sais pas si putain, j'avais oublié ça, c'est vrai. Exact. Donc tu vois, elle était quand même bien innovante sur plusieurs points, cette Dreamcast. Alors les amis, vu que le temps passe quand même, j'aimerais aborder une catégorie de jeux qu'on n'a pas encore vraiment abordé. C'est le versus fighting 2D quand même. Parce que... ouais, alors oui, bah là, le premier que je vais montrer, c'est... Je triche un peu, mais c'est de la 2D, 3D. C'est Marvel versus Capcom 2, il faut absolument en parler. C'est pas de la 2D, 3D. Pour moi, tu peux l'inclure dans la 2D. Hein. Y a pas donc de soucis. Juste, quand même, il faut rappeler le nombre de personnages incroyables qu'il y avait. Là, pour l'anecdote, moi, quand je l'ai acheté, je l'ai ramené chez mon pote Fabrice. Fabrice, qui était un de mes meilleurs amis au lycée, mais surtout qui est le cousin de mon épouse maintenant, tu vois. Et en fait, je l'ai ramené
Donc chez lui, son grand frère Olivier, tu sais, qui était beaucoup plus âgé que nous, qui avait un groupe de rock, qui était guitariste, et en fait, il nous considérait comme des gamins pour lui. Et il voit ce jeu-là. Je m'en souviens, c'est un des jeux qui l'a fait bloquer. Et après, il a commencé à me prendre au sérieux. Il s'est dit, ce gamin-là, il rigole pas, lui, tu vois. Et je lui montre Marvel versus Capcom 2 avec le nombre de personnages que tu as, des personnages de Marvel, des personnages de Street Fighter. Bon, on avait connu le premier en arcade et après plus tard sur Dreamcast, parce que celui-là est sorti avant. Bizarrement, le 1, ils l'ont sorti après. Faut que je vous arrête. Faut que je vous arrête sur un truc. Oui. Excusez-moi, parce que ça va raccorder à ce jeu, mais parce que Khaled parlait de la console qui était super innovante à plein d'égards. Est-ce que vous vous rappelez qu'on pouvait télécharger des saves sur Internet pour la mettre sur la VMU? Et Et oui. c'était super pratique pour ce jeu, parce qu'il Ouais. fallait. Vous avez vu le roster qu'on a? Et bien, vous pouviez aller sur GameFAQs à l'époque. Tu téléchargeais la save et tu avais directement tous les persos. Tu Ah ben moi, avais je me suis amusé à tout déverrouiller tout seul. rien. Moi, Moi aussi. ah, j'ai pris la save. Moi. Non, mais là, c'était le sommet, parce qu'en Saturne, on avait déjà X-Men versus Street Fighter, on avait déjà des crossovers bien. On avait Marvel. Versus. Alors non, il y avait Marvel Super Hero versus Street Fighter et Voilà, Street Marvel Fighter versus Super-Héros, X-Men. c'est ça. Donc on avait déjà ces crossovers-là, mais là c'était le sommet en termes de. Alors, les personnages étaient en 2D, mais les décors étaient effectivement. En 3D. En 3D. Enfin, ouais, c'est de la Oui, c'est de la 3D. 3D, c'est 3D de la 3D. fluidifiée, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et voilà, enfin, moi avec mes frangins, Ah, on mais a moi, dû il y m'a rendu jouer. fou ce jeu. Pour moi, c'est le meilleur épisode ever de la série. Hein. Alors moi, c'est pas compliqué. Quand il est sorti, on l'a eu d'abord en Jap. Quand il est sorti, je passais le bac. C'était la période où je passais le baccalauréat. Et je me souviens que mon frère me disait, mais non, 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 on y joue trop. On finissait à 2 h du matin. Il m'a dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Il savait que je me débrouillais quand même bien à l'école, donc ça va, j'avais une marge, tu vois. Mais ouais, je vois ce jeu, je vois mon bac, et j'ai des bons souvenirs, des souvenirs de ouf. Et ce jeu, bah, justement, donc je l'ai en Jap, et j'avais fait Moi aussi, je l'ai acheté en Jap, Day One. Ouais, bah, c'est ça. Et Juste, il faut savoir qu'aujourd'hui, Khaled, il a encore joué en tournoi. Je ne sais alors pas si tu justement, comprends. c'est la Il y a question que j'allais encore poser. il y a des Justin Wong, donc, qui est très connu dans Street Fighter, Third Strike, dans Street Fighter V, qui est un spécialiste du jeu. Et il y a encore, je regarde encore des tutos sur ce jeu. Il y a des mecs qui y jouent encore. Alors justement, j'allais vous demander qu'est-ce que vous en pensez graphiquement encore? Franchement, Il c'est n'a pas ouf. vieilli, tu peux y rejouer maintenant, Il il n'a joue pas trop sans aimé. problème. Sans Ah, il est problème. totalement valable. Il est parfait. Et C'est clair. le roster, les mecs, je ne sais pas si on aura de nouveau un jeu aussi complet. Tu vois, le dernier jeu qui m'a vraiment impressionné en termes de roster, c'est Super Smash Bros. Switch, hein. Parce que là, c'est la folie, là, t'as 80 persos C'est et la t'as tous les folie. Ah, pouvoirs. c'est la folie. Moi, j'ai déverrouillé tout le monde dans le jeu. Mais là, non mais vous avez vu le roster comme de Marvel versus Ah Capcom non, 2, on était en 2000, les mecs. il y a tout. La folie, t'as tout. Mais t'as même des Vive persos, mais Sakura, ultra Capcom. secondaires de certains comics. C'est Ah, ça, c'est c'est clair. ça. C'est Non, mais ça. Capcom, il a été Non, chercher mais aussi Jill des. Valentine, ils ont Ouais, mis c'est Jill clair. Valentine dans le jeu. C'est pas Et puis ouf. t'avais Venom, mec, avec Ouais, l'animation de ouais. Venom, tellement bleu. Le sprite était tellement badass. Je crois qu'on avait Colossus également. Ouais, il y a Colossus, il y a Oh! tellement de persos. Il y a On avait. Colossus, t'as Ouais. Black Art, t'as Black Art qui est très, très peu connu, t'as Sentinelle, t'as Gambit, t'as tellement des personnages qui sont pas trop connus. Et moi, je T'as. jouais essentiellement des jeux, enfin pardon, des personnages venant de comics. Parce que bon, Street Fighter, on connaît, on t'avait tout, t'avais même Akuma, on avait la totale. Mais putain, jouer avec Spider-Man, Captain Venom, America. Jill, Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Wolverine, c'est mortel. Non, mais. Puis avec ce résultat graphique. Cable, juste personne connaît. Cable, là, on le connaît du moins les gens, le grand public le connaît depuis Deadpool 2, Cable. Mais Cable, beaucoup de gens l'ont découvert dans ce jeu. Je l'ai connu avec ce jeu, mec. Ouais, Il y a tu plein vois. de persos, il y a plein de persos que j'ai connus avec ce jeu. Je ne savais pas d'où ils sortaient. C'est comme la meuf, t'es une espèce de meuf vampire, là. Ouais, Ouais, Morrigan, ça Morrigan. c'est dans C'est dans Darkstalker. C'est Darkstalker, ouais. une Je série qu'on connaissais connaît. pas. Moi, Moi, je personnellement. connaissais pas. Il y a plein de persos, j'ai connu Dimitri déjà fait aussi leur avait. existence avec ce jeu. Mais non, t'as raison. T'as raison. Alors moi, j'ai découvert par exemple le Surfeur d'argent avec le jeu X-Men sur Saturn. C'est ça. Je connaissais pas avant. C'est incroyable, hein.
Non, mais c'est vrai. Et puis pour moi, après, ça reste un point de vue très subjectif, là, ce que je vais dire. Pour moi, les jeux de Capcom de versus fighting, ils s'arrêtent aux jeux 2D, en fait. J'ai beaucoup de mal, on avait déjà discuté de ça avec Biggie. Les nouveaux Street, ils sont certainement excellents, mais j'ai beaucoup de mal, les nouveaux KOF et les nouveaux Street, en fait. Ce Bah, passage t'as un 3D. cachet graphique, si tu prends le Third Strike, c'est l'apogée de ce qu'ils ont fait en Bah, 2D. on va le montrer, on va le On y arrive montrer. là. C'est Forcément. Pourtant, tellement ils ont pris un beau. risque, hein. Ils ont pris un risque, mais ils ont Alors, faut écarté. savoir que il est dans mon top 3 des jeux de versus ever. Et moi, dans ma borne, tu vois, je l'ai, j'y joue. Et j'ai presque acheté ma deuxième borne à cause de ce jeu. Parce que je voulais avoir le rendu originel de ce jeu. Tu le mets devant Mark of the Wolf. Alors oui, il est au-dessus de Mark of the C'est Wolf, bien vrai, sûr. Ah excellent. oui. Ah Alors oui. moi je voulais Moi, que. je préfère Capcom à SNK, même si je suis un grand fan d'SNK. Mais objectivement, je préfère Capcom. Alors là, Le dans ce. meilleur, les mecs, le meilleur Street, c'est Street 02. Dans le Ah, il est 0-3. pas loin, il est pas loin de Le 02, je suis 0-3, le d'accord. 0-3. Mais pour moi, c'est le Third Strike. Ah, je mettrais aussi, Alors, c'est un de mes Source préférés. Strike, le caractère innovant, c'est qu'on pouvait contrer chaque coup en faisant C'est une ça, petite avec les direction. paris. Bah, dans Avec zéro, les paris. il y a un peu ça, il y a ce qu'on Non, dans le appelle le 0, c'est zéro les counters. counter. Ouais, 0 Zéro counter. counter, C'est pas pareil. Parce que là, c'était des petits mouvements, c'est ce qu'on appelle les paris, effectivement. Et tu pouvais contrer, je crois, même les gros coups, les méga coups, tu pouvais c'est tout, ça, quasiment tout de contrer, je crois. tout contrer. Et ça, c'était une belle particularité, en dehors du fait qu'ils ont quand même pris les risques de laisser. Alors, je crois qu'il y avait Chun-Li, comme personnage connu à la base, Ryu, Ken, Ryu, Ken, Akuma. Kuma. Et puis, il y en avait un dernier, je ne sais plus. Il y en avait cinq. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de persos qui C'est tout, débarquaient. t'as raison, Khaled, il n'y a pas plus que ça. Ouais, mais tu vois, c'était quand même un sacré risque, moi, je trouve. Bien sûr. Et Bah ouais, parce qu'ils auraient pu reprendre, tu vois, les personnages de Street 2 qui est emblématique, ce qu'ils ont fini par faire avec le 4. Non, mais Ah t'as oui. totalement raison. Ah, il y Ils avait ont fini peut-être par Dan faire. aussi, non? Dan, il y était peut-être, je crois. Non, il n'y a pas d'âne dans Non, il n'y était Source pas. Bon, en tout cas, il y avait franchement un risque. Et franchement, ils ont vraiment réussi. Et en plus, les Furies, je crois que dans celui-ci, tu pouvais en choisir qu'une parmi les C'est trois ça. avant le début du fight. Ouais. Et pour moi, ça, c'était une particularité qui était aussi intéressante. Parce que du coup, il y avait une stratégie qui C'est s'élaborait au ça. préalable en fonction du personnage que tu prenais. Bah aujourd'hui, il a encore joué, encore, j'ai envie de te dire, il a encore joué. Et Third Strike, il y a énormément de champions, parce que moi j'ai connu les tournois de Third Strike au plus près, et j'ai fait une émission dédiée à ça. Et on en parlait, parce que c'était vraiment ma vie, ma jeunesse à cette époque-là. Et faut savoir ouais, que le jeu est encore joué, et les vrais joueurs de Third Strike n'ont pas voulu basculer sur les Street 3D. Parce qu'il manque le pari, par exemple. Bah oui, moi c'est mon dernier street pour être franc. C'est le dernier street auquel j'ai vraiment beaucoup joué. Après, il y Pour en a rejoindre une ce que dit autre. Ralette sur la prise de risque, il y avait aussi la bande son, les mecs, parce que Ah là, ouais. c'était l'ambiance très jazzy, là Ouais. où avant, c'était des structures mélodiques assez simples. Malheureusement, cette bande son a déplu. Moi, je l'adore, la bande son de Street 3, elle est mortelle. De Street 3, elle est incroyable. De Ouais, Third ouf, Strike, de Source Strike. jazzy, un peu hip-hop, même sur les bords. Ouais, mais beaucoup plus complexe en fait que celle de Street 2. Mais après, les thèmes marquent moins, effectivement. Alors, T'as pas le thème de Ken que tu vas retenir pendant 20 ans. il faut mettre en avant aussi une particularité, c'est que oui, en PAL, il n'a pas beaucoup de concurrents, parce qu'il y a trois Street Fighter en PAL en termes de versus fighting 2D, et il n'y a rien d'autre sur Dreamcast. De souvenir, à part les trois Street, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'en Jap, il a quand même une sacrée concurrence, Ouais. avec des portages SNK CVS, on n'en a oufissimes. pas parlé. Il y Ben avait les oui. CVS 2, CVS Il y a 1. tous les KOF, il y avait les Mark of the Wolf, Last Blade, il y avait la dose de Mark of portage the SNK qui était, qui était pour beaucoup, avant la version PS2, par exemple, de Mark of the Wolf, considérée comme les meilleures conversions à ce jour. Hein. Et d'ailleurs, le KOF 98, il est vraiment fidèle à la version Neo Geo, comparé à la version Dream Match, à la version PS2, pardon. Mais il y avait de la concurrence, c'est clair. Mais pour une fois, je vais mettre Capcom en avant et dire que le Source Strike, il m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, je crois, enfin, il y a toujours débat, mais c'était quand même le port parfait de la version arcade. Même Oui, si la version PS2 il y a était des meilleure. petites différences, mais c'est très léger. C'est vraiment, c'est un peu du chipotage, en gros, tu vois? C'est un Par peu du chipotage. contre, est-ce que vous saviez que la meilleure version de Street Fighter 2X sur console, c'était sur Saturn? Oui. Non, c'est sur 3DO. Sur 3DO? Ouais, Sur en fait, 3DO. le Super Street Parce Fighter, que tu veux dire? Super Street Fighter 2X, c'est sur Parce que 3DO. Street Fighter, je vais te dire que Street 2X sur Saturn, les sprites étaient plus gros que sur la version arcade. Ouais. Et que sur Alors, n'importe quelle autre version. en fait, la version 3DO, elle est sortie avant. Ouais.
Elle était pour son arcade perfect. Et d'ailleurs, il y avait une, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y avait l'émission Microkids. Et à la fin, il terminait toujours l'émission en nous laissant sur un jeu, en mettant une musique autre que le jeu. Et il nous faisait découvrir un jeu. Et puis, il dit, à la fin de l'émission, il dit, bah, on va vous laisser avec le Super Street Fighter sur Neo Geo. Il se plante, tu vois, le mec de Microkids. Ouais, c'était sur 3DO. Et c'était sur 3DO. Et il met avec la musique Offspring, tu sais, You've got like a separate, là, machin, je sais pas très bien chanter, mais. Et du coup, je me suis dit, il est sur Neo Geo, c'est ouf, faut que j'aille voir dans les magazines. j'ai cherché, je dis, mais c'est pas possible. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait la version 3DO. 3DO, ouais, qui est arcade perfect pour le coup. Comment ? Elle est vraiment arcade perfect, la version. Ouais, mais sur Saturn, elle est plus qu'arcade perfect. Ah, elle est plus, ouais, je crois qu'elle est enhanced, ouais. T'as raison. Non, la version Saturn, elle est au-dessus, mais parce qu'elle est sortie beaucoup. Enfin, ouais, beaucoup ouais plus sur une compilation d'ailleurs avec le Street 02. C'est ça. Et du coup, on a acheté, l'anecdote elle est ouf, parce qu'on a acheté la 3DO avec mon frère pour ce jeu-là. Et dans ce jeu-là, tu débloques Akuma qui s'appelle Guki. Guki, oui, en japonais, mais ouais, c'est toujours vrai. Connu comme Guki. Moi. Et pour le débloquer, il faut finir sans perdre un round le jeu, en fait. Et le battre. C'est ça. Ouais, et le battre. Et c'est quasiment. Et pour moi, sinon, tu peux le sélectionner. Il faut rester quelques secondes sur un autre perso, quelques secondes sur un autre perso, ensuite quelques secondes sur un autre, ensuite moi, sur un autre. Mais c'est très dur. Hein. La manip, même en arcade, elle fonctionne, mais la manip est hyper dure à faire. Hyper dure à faire. Moi, Akuma, je l'ai découvert dans cette version-là. Ouais. Ouais. Tu sais, avec sa furie, un petit coup de poing avant, un petit coup de pied. Ouais. Et je l'ai découvert dans cette version. C'est ouf. Moi, hein. Je l'ai connu en arcade comme ça aussi, pareil. Bon, faut qu'on aborde absolument, parce qu'on n'a presque plus de temps, il faut qu'on aborde Shenmue, donc on va le faire tout de suite, et je vais laisser DG s'exprimer, parce que c'est à lui quand même de nous donner son ressenti. DG, parle-nous de Shenmue, fais-nous rêver. Shenmue, moi, c'est un jeu pour moi qui sentait très très bon à l'époque, on voyait qu'il faisait des choses qu'aucun jeu n'avait jamais fait. Je le redis, il s'est fait saquer dans console plus 91%, ouais. Ce qui est un scandale pour un jeu pareil. Ça méritait à l'époque 99, c'était un jeu quasi parfait. C'était fou, c'était des trucs qu'on n'avait jamais vu. Moi je l'ai offert parce que je ne l'ai pas acheté pour moi. Ouais. C'est pas un jeu que j'ai acheté pour moi, c'est un jeu que j'ai acheté pour l'anniversaire d'un pote qui habite à Lyon. Je lui ai offert, on a joué ensemble, j'ai découvert avec lui en direct. Et c'était une tuerie monumentale en termes d'architecture de jeu, de gameplay. Tu pouvais voir tous les tiroirs, tu avais une salle d'arcade où tu pouvais jouer. À des jeux du passé comme Space Harrier ou Angol. Putain, mais tu peux jouer à un autre jeu que le jeu principal. J'avais jamais vu ça de ma vie. T'avais des séquences de combat à la Virtua Fighter. T'avais des QTE. Bon, finalement, je me suis rendu compte que les QTE venaient de Mizuna Falls, apparemment. Ouais. On a découvert ça récemment. Mais bref, non, mais à l'époque, et puis voilà, graphiquement, c'était fou. Mais surtout ça, en fait. Je pense. Alors, DG, je pense que les premiers QTE, c'est Dynamite DK. Hein. C'est Dynamite Cop, c'est Die Hard Arcade, qui est beaucoup plus vieux, parce qu'il date du temps de la Saturne. Ah, et donc, quelle année ? Donc, pour moi, c'est le premier. Il faudrait que je vérifie. Mais Die Hard Arcade, je vais regarder l'année de Die Hard. Ce qui est sûr, c'est que quand on dit que Shenmue a inventé les QTE, en fait, on s'est rendu compte que c'était faux. Hein. Il y a des jeux qui le disent. Je pense que c'est 94, je pense. Mais en tout cas, pour le joueur occidental que j'étais, qui ne connaissait pas. Il est sorti en 96, Die Hard Arcade. Ah, ok. Bah, tout était surprenant dans Shenmue. La réalisation était incroyable. Tu avais des cinématiques, tu avais l'ouverture avec le père qui se fait dégommer, tu veux la vengeance. C'est deux jeux, parce que c'est les deux sont indissociables, deux jeux complètement fous, beaucoup trop ambitieux, qui ont coulé la Dreamcast et coulé Sega. Des souvenirs qui partiront pas. Malheureusement, et quand tu joues actuellement, tu te dis, ah, ça vieillit, les mécaniques, tout a vieilli, le gameplay, qui paraissait complètement révolutionnaire à l'époque. Mais pour le mec, encore une fois, c'est comme PSO, pour le mec qui a joué à l'époque, t'avais rien au-dessus de Shenmue. C'était une vitrine graphique. Une vitrine technologique que tu n'avais nulle part ailleurs que sur Dreamcast. C'était le Next Plus Ultra. Tu sais, nous, on l'avait en japonais, on comprenait rien au scénario. Mais on était émerveillés. Tu vois, c'était, on passait au-delà presque de l'histoire. Hein. C'était, comme tu dis, une vitrine. On avait pas l'habitude. Non, mais c'est vrai. Non, à cette époque-là, on n'avait pas l'habitude. J'ai une anecdote sur ce jeu, Khaled. On en avait parlé avec Nicky Larson quand il était venu dans notre live. Avec Tofik, moi en fait, si tu veux, mon frère et mon beau-frère, ils avaient un bar, ils étaient associés. Ils avaient un bar et moi je travaillais dans le bar de temps en temps pour me payer mon permis.
Et en fait, à cette époque-là, pendant le ramadan, ils faisaient des lotos. Tu vois, c'est quoi le loto, Khaled? Tu parles Ouais, des cartons des que tu valides. Et en fait, je le raconte avec des trucs, mais c'était un peu de la triche, parce qu'ils me donnaient des cartons gratos. Je payais pas mes cartons. Et quand j'arrivais, mon frère et mon beau-frère me disaient, écoute, bon, bien, dès que tu as gagné, tu t'en vas, tu restes pas, tu vois. Et je me souviens un soir, je joue, je gagne 600 francs. Un soir, je prends 600 francs, mon frère et mon frère, il me dit, vas-y, va-t'en maintenant. Les 600 francs, le lendemain matin, je suis allé acheter Shenmue en Jap. Tu vois? J'ai Ouais, pris les 600 francs, je suis allé acheter Shenmue en Jap. Et je me souviens, il y a mon pote Philippe et bah, KX, que je parle souvent, mais à cette époque-là, j'avais mon groupe de musique. Et en fait, dès qu'on finissait de faire de la musique, on jouait à Shenmue dans le studio. Et on jouait. Et en fait, tout ce qu'on voulait, c'était les séquences de bagarre, nous, tu vois? Et en fait, on se déchirait à essayer de comprendre comment avancer en japonais pour avoir les séquences de bagarre. Et dès qu'il y avait les séquences de bagarre, on était, waouh, tu sais, un beat'em all comme ça, trop bien fait et tout. Et en fait, on jouait uniquement pour ça. On pigeait rien à l'histoire. Ah bah oui. Mais il nous a marqué de ouf. Parce qu'on s'est forcé à jouer comme ça, tu vois. Moi, j'ai une anecdote de ouf à raconter aussi. Hein. Et forcément, là, mon frère, quand il va l'entendre, il va rigoler. C'est que, tu sais, moi, je suis fan de boxe, hein, je te l'ai déjà dit. Et on n'avait pas Canal+. On ne l'avait pas. Mais à l'époque, il existait un moyen de pouvoir un peu décrypter le signal. Tu Oui. vois? Et mon frère qui habitait pas chez nous, avait cette particularité. Puis il m'a dit, bah, écoute, c'est pas, il n'y a pas de souci, tu vas C'était bien un pouvoir. canal plus pirate. Pas tout à fait, mais presque, tu vois. Et du coup, il me dit, bah, écoute, tu peux venir à la maison. D'ailleurs, viens avec les frangins, et puis on va se faire une soirée pour voir le combat de boxe Tyson contre Julius Francis. C'était en 2000, précisément. Je lui dis, ok, moi je suis chaud et tout ça, et on arrive assez tôt, et on joue à la Dreamcast. On joue au jeu de catch d'abord, etc. On joue à plein de jeux. Et il arrive 4 heures du matin, parce que tu sais, les combats aux États-Unis, ils sont pas au même horaire que. Et bah, j'ai attendu toute la soirée, et puis ça n'a pas Ouais. fonctionné. On n'a pas pu voir le combat. J'avais le seum, j'avais la rage. Au bout d'un moment, il était en sueur, mon frère, parce que tu vois, toute la soirée, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, ça sera bien de tester si ça fonctionne assez tôt, tu vois. Il m'a dit, non, t'inquiète, on joue, on joue, on joue. Et puis 10 minutes avant le combat, il a commencé à essayer de voir si ça fonctionnait et ça fonctionnait pas. Mais Aïe, j'avais aïe, aïe. la rage. Je lui ai dit, ça fonctionne concrètement, ça fonctionne ou pas? Il m'a dit non. Je me suis barré à 4 h du matin, je suis rentré à pied chez moi, je me souviens. Ah non, c'était une belle anecdote. Et on avait joué à la Dreamcast. Alors, on n'avait pas joué à Shenmue, mais on Ah avait non. joué à plein de jeux à 4 en fait. Tetris, des jeux de catch, etc. Et du coup, Avez-vous le ça. souvenir que Shenmue faisait décoller la Dreamcast en termes de bruit? C'était un enfer. Ah. C'était. Allez, moi, j'avais peur qu'elle crève. À chaque fois que je jouais à Shenmue, je me disais putain, elle va décéder. Ça faisait un bruit de l'enfer. T'avais des petits temps de chargement entre les zones. J'ai toujours eu peur qu'elle rende l'âme. Ah bah d'ailleurs moi Mais j'ai pas Dieu mal de merci, Dreamcast qui ont rendu j'ai pu l'âme. finir le 1 et 2 en entier. J'ai pas mal de On va Dreamcast qui ont rendu. vite fait rapidement passer devant certains autres jeux, rapide, parce qu'on n'aura Ouais, pas le temps d'en rapide, alors parler. vraiment rapide, Off of the Dead, parce que quand même, Là, là j'en ai chargé un autre, il faut en t'en as parler, chargé un c'est autre. Resident Evil Code Veronica. Moi, Code je l'avais acheté Veronica, Day la One, Veronica. ouais, que j'avais acheté Day One en Jap. Il y avait Qui la était une version anglaise exclue. de DG ou pas en Jap? J'ai pas Autrement compris, de... pardon. Est-ce que le jeu était sous-titré anglais en Jap? Il me semble que oui. Alors ça, j'en sais rien du tout. Parce que moi, je l'ai fini en Jap, le jeu, j'en suis sûr, parce que je l'avais Ouais. acheté en original en Jap. Avec le fourreau un peu violet, rose. Ouais, Nous, on ouais. avait le même aussi, on l'a fait en Jap. Mais Mais je l'ai c'était une exclue terminé, à hein. Je cette l'ai époque-là. terminé et moi, j'avais kiffé parce que déjà, les décors étaient en 3D. C'était le premier Resident Evil, tu pouvais prendre deux armes en même temps, dans les deux bras, dans les deux mains, pardon. T'avais une espèce d'histoire un peu mystique avec les deux jumeaux, là, le garçon et la fille, là. Puis t'avais Wesker dedans qui revenait, c'était lui qui manipulait tout derrière. Voilà, bref, moi, c'est vraiment un Resident Evil qui m'a marqué. Il y a beaucoup de gens, bah, j'en parlais avec Pascal Squaleres, d'ailleurs, qui aime beaucoup ta chaîne, DG. C'est un pote à moi qui est dans l'arcade, et il m'a dit qu'il se tape la rétrospective MGS une fois par an sur Padawan HD. Une fois par an, il la regarde. Je le salue, merci Pascal, merci beaucoup. Voilà, bah, il sera très content parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Et donc, on en parlait l'autre jour parce qu'il l'a streamé, et il le stream du moins en ce moment, et il m'a dit, je lui ai dit, beaucoup de gens ont craché dessus, et lui, il me dit, ah bon? Je lui ai dit, ouais, à l'époque, les gens avaient dit, c'est un sous Resident Evil. Non, 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 à l'époque, ce jeu était considéré comme le meilleur Resident Evil.
Ceux qui se souviennent de cette période Dreamcast, ceux qui l'ont eu à l'époque le savent, c'était considéré comme le meilleur, c'était une exclu Dreamcast au début, avant qu'il soit porté sur PS2, GameCube et compagnie. C'était une exclu. Techniquement, c'était le plus dingue de la série, on a vu l'un, le 2, le 3, là, c'est tombé sur Dreamcast, c'était fou. En fait, le truc, je pense qu'il souffre du syndrome post-Matrix. C'est un jeu qui est sorti juste après Matrix. On voit que Wesker, clairement, les mecs se sont inspirés de Neo. Il revient d'outre-tombe pour devenir super Wesker en mode zombie. C'est ça, c'est ça. À l'époque, c'était méga cool. C'était génial. Mais avec le temps, on se dit, c'est quand même... La marmesque. Et je vais te dire, le truc, c'est que les anciens RE, c'était de la 3D précalculée des décors. Donc, bizarrement, ils ont mieux vieilli. Celui-là, c'était full 3D. À l'époque, c'était plus impressionnant. Mais avec le temps, les premiers ont mieux vieilli. C'est ça qui est paradoxal. Et je peux vous dire, moi, j'en suis sûr, à l'époque, et je parlais avec beaucoup d'Américains sur des forums et même des chats, tout le monde était en sang devant Code Veronica. Il y a des gens qui chialaient parce qu'ils trouvaient ça trop dur. Mais il était culte. Culte. Ouais. Il est resté pendant 2-3 ans au minimum. Jusqu'au 4. La définition des zombies, comme c'était bien fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu sais, le premier Resident Evil, même si on était fan du 1, du 2 et du 3, ça restait à peu près le même moteur. Tu avais juste les couleurs qui étaient un peu plus chatoyantes dans le 2 et dans le 3 par rapport au premier. Mais là, les zombies, on les voyait avec un détail, les textures, etc. Moi, c'était ouf pour moi, c'était ouf. Ouais, puis tous les décors étaient en 3D, c'était super impressionnant, c'était une exclu Dreamcast, donc les quelques euros de possesseurs de la Dreamcast étaient contents de l'avoir. Sur Dreamcast, il y a eu le 2 et le Nemesis, et ensuite ils ont fait le Code Veronica qui était une exclu pendant presque 3-4 ans, on va dire, avant la sortie sur... Code Veronica d'ailleurs qui devait être Resident Evil 3 à la base. Ouais. Ouais. Bah ouais, t'as fait une rétro. De toute façon, t'as fait une rétro Resident Evil aussi sur la chaîne. Absolument. Ouais. Alors, on va vite fait montrer House of the Dead, donc qui pour moi était une conversion mieux que l'arcade. Pour moi, c'est de la folie. Ouais, parce que le 2 était sur modèle 2 et vu que là c'était de la Naomi, c'était un peu plus puissant, donc il est plus joli que la version arcade pour le coup. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a plein des rail shooters comme ça sur Wii, sur plein de supports. Ouais. Hein. PS3, etc. Mais à cette époque-là, au moment de sa sortie, c'était innovant, encore une fois. Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle de la Dreamcast comme la console innovante. Et ben là, c'était encore le cas. Moi j'avais pas... Il est culte, House of the Dead. Ah, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Avec les flingues Dreamcast qui étaient top, en plus. Ouais. Donc là, tu as mis la version pâle, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, parce que le sang est vert. Ouais. Et tu l'as connu, DG? Ah, House of the Dead, j'ai très très bien connu avec les Time Crisis et compagnie, mais en salle d'arcade à Singapour. Ah, sur Saturn alors. Non, en salle d'arcade. Moi, je jouais vraiment que en vraie salle d'arcade à ces jeux-là, House of the Dead, Time Crisis. Time Crisis, ouais. C'était monu. Non, mais ça aussi, les salles d'arcade, c'était des souvenirs de ouf à l'époque. C'était complètement dingue. Et je vous avoue que ça me tentait pas trop, parce qu'en plus, il fallait acheter le gun, idéalement. Ouais. Ouais. Oui, alors, ça ne tentait pas trop d'avoir l'arcade à la maison, moi, j'étais pas dans ce délire. D'accord, alors que moi, non, au contraire, c'était vraiment avec mes frangins, on achetait tout de suite les deux guns. Alors, on avait déjà, effectivement, sur Saturn, une première immersion avec les Virtua Cop, etc. Et puis le premier opus, mais le House of the Dead 2, là, pour moi, c'était, techniquement parlant, une sacrée avancée. Une sacrée avancée. Est-ce qu'on dit un petit mot sur les RPG ou pas, Biggie? Ben, on a parlé de Phantasy Star, mais vas-y, on va citer rapidement Skies. Sans les montrer, ouais. Skies of Arcadia. Skies of Arcadia. Alors, et puis, il y a Sonic Adventure 2 qu'on n'a pas cité, mais Skies of Arcadia qui a marqué son temps. Hein. Il a marqué son temps, alors, ouais. D'une part, parce que c'était un concept assez... Alors, c'est un RPG standard donjon et puis par tour, ça c'est clair. Mais par contre, il y avait un univers et puis une histoire... Pirate. Ouais, piraterie mais volante un peu de l'espace bizarre, un peu. Un peu comme ça. Le héros il pirate uniquement les vaisseaux qui sont armés. Il y avait tout un schéma mis en place. Et puis c'est surtout, je vais être franc, là c'est un souvenir nostalgique. J'étais ultra fan de RPG. Hein. Je sortais d'une grosse phase de RPG SNES et Mega Drive, une grosse phase, énorme phase de RPG PS1 Saturn. Ouais. Et puis du coup sur Dreamcast, bah, je voulais des RPG moi. Et j'avais rien à mettre sous la dent. Ouais. Il y avait Grandia 2, il y avait Evolution, ouais. Et il y avait Skies of Arcadia. Ouais.
C'est Grandia 2 était déjà magnifique. Non, c'était bien, mais je veux dire qu'il n'y en avait pas suffisamment. Alors oui, évidemment, il y avait Phantasy Star. Pour moi, Phantasy Star, je le classe pas, pardon. Ouais, c'est un MMO, ouais. C'est un MMORPG, puis surtout, c'était le principe du jeu en ligne qui était mis en avant. Alors que là, non, Skies Arcadia, c'était autre chose. Et du coup, moi, j'étais quand même bien content de l'avoir, de me le faire. Ouais. Donc, je me le suis fini sur Dreamcast. Ouais. Par contre, par la suite, je l'ai eu sur GameCube, hein, qui comporte davantage de choses. Mais malheureusement, je n'ai pas été au bout. Ouais. C'est-à-dire que j'avais été séduit par la version Dreamcast, mais ce n'est pas non plus le jeu, le RPG oufissime, comme on a pu voir sur des FF7, etc. Ouais. Donc, je dirais que la Dreamcast, elle a bien son... On dit souvent que la Dreamcast, c'est l'arcade à la maison. Ouais. On le comprend quand même bien, parce qu'au côté RPG, on a quand même été... Moins gâté que sur PlayStation. Gâté. Ouais. Après, peut-être qu'il en existe en Jap, hein, que je ne connais pas. Mais... Moi, j'en connaissais quelques-uns. Bah, Skies of Arcadia, Grandia 2, tu les as cités. C'était pour moi les meilleurs de tous. On va citer rapidement, vite fait, Jet Set Radio, on n'en a pas parlé. Celui-là qui était ouf aussi. Génialissime. Moi, je le classe... Pour moi, c'est les prémices de GTA, c'est ce jeu. Je pense que GTA a beaucoup emprunté de choses à ce jeu-là, parce que GTA est sorti sur PS2, hein, GTA 3, le premier. Ah, je pense pas, parce que tu avais déjà GTA 1 et 2 avant. Même, c'était pas du tout la même philosophie. Je pense que les mecs qui ont fait GTA 3, ils ont joué à Jet Set Radio, c'est obligé. Tu penses? Parce qu'il y a énormément d'éléments qui se rapportent de GTA, ça se voit. Ah, moi, j'aurais plus fait le rapprochement si tu voulais parler de Wind Waker pour le côté cel-shading. Je vois pas trop le rapport. Bah, c'est le fait que tu sois libre et que tu évolues comme ça, que les flics qui t'attrapent, que tu as des espèces de QTE comme dans GTA quand tu dois faire certaines actions. Tu sais, tu fais dans Jet Set Radio, pour graffer, tu as des QTE qui apparaissent et tu dois faire des manipulations pour graffer. Bah, dis-toi que dans GTA, notamment GTA San Andreas, tu dois faire la même chose. Ah, dans San Andreas, mais pas dans 3. Ouais, mais je veux dire, par là, il avait déjà en tête ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Possible, c'est possible, mais ouais, c'était mortel. Pour moi, il y a un peu de GTA qui se retrouve là-dedans, parce que c'était la première fois où tu avais un monde ouvert comme ça. C'est possible. La bande-son était monumentale, le gameplay était au top, c'était un concept jamais vu. Puis, on n'avait pas... Si, on avait des portages de Tony Hawk, bon, on s'en fout un peu parce qu'on les avait fait sur PlayStation... Mais c'était un petit peu une sorte de nouvelle version de Tony Hawk avec des skates, tu faisais des tags, c'était super frais, super Tony Hawk GTA. Ah, il ne fallait pas te rattraper par la police. C'est entre Tony Hawk et GTA. Ouais. C'est ça, hein, c'est un peu le concept. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Et puis, ils ont un peu arrêté. Il y en a eu un sur Xbox. Ouais, Jet Set Radio Future. Jet Set Radio Future que je possède, moi, je l'ai. Je l'ai aussi. Et après, ils ont un peu arrêté le concept, c'est dommage. Alors, c'est vrai que on n'a pas parlé quand même d'une catégorie de jeux, parce que là, j'y pense, là, vous me parlez de... Je pense aux jeux de voiture, quand même. Alors, moi j'en ai parlé beaucoup avec Arcade Brain ces jours-ci, parce qu'il a fait un test de Sega Rally. Moi, pour moi, les portages de l'arcade sur Dreamcast, ils sont tous ratés. Le Daytona, le Sega Rally, on en a parlé le jour du live. Pour moi, le seul jeu de bagnole, ils sont ratés. Crazy Taxi, les mecs. Ah, pas Crazy Taxi. Crazy Taxi, c'est pas la même chose. Parce qu'on en a pas parlé, mais ça, c'était un des jeux phares du lancement de la Dreamcast. Je suis d'accord. Crazy Taxi, c'est une tuerie. Crazy Taxi. Ça, on en a pas parlé. Mais pour moi, Sega Rally 2, Daytona USA. Le Ferrari, c'est une vraie bonne conversion. J'en ai parlé aussi. Pour moi, le meilleur jeu de bagnole, après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais sur Dreamcast, c'est Metropolis Street Racer, qui est fait par le studio qui aujourd'hui fait les Forza Horizon sur Xbox. Maintenant, ils sont devenus Playground Games. Tu vois, après ça s'est appelé Projet Gotham Racing sur Xbox 360. Ouais. Et avant ça, c'était Metropolis Street Racer. Oh là là, là tu me replonges. Ah ouais, effectivement, je l'avais testé à l'époque. Ouais, mais bon, quand tu sors de Gran Turismo 1 et 2. Ah, moi j'avais trouvé ça cool. Avec les kudos là, que tu gagnais dans le jeu. Ça n'a rien à voir, évidemment. Hein. C'était vachement plus arcade. C'est vrai que Gran Turismo, c'est vraiment orienté. Oui, simulation. Simulation, évolution. C'est vrai que les autres, c'est vraiment des jeux d'arcade pur et dur. En fait, il faut aimer les deux genres. Hein. Moi, j'aime bien les deux. Donc, Mais c'est vrai qu'on était bien lotis. Il y a plein de jeux de sport aussi. Il y a tellement de jeux sur Dreamcast. Ouais, le jeu de Jeux Olympiques, comme il s'appelait, Decathlète. Tu te rappelles de Decathlète? Decathlète. Puis je pensais que tu allais nous parler du NBA 2K. Ouais, le NBA 2K, normal. C'est marqué, je pense, celui-ci. Ouais, j'en ai pas parlé. Il était exceptionnel. On en a pas parlé, mais... Exceptionnel, mais il y a trop de jeux sur Dreamcast. On peut pas tout citer, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui est bien aujourd'hui, ce que je trouve en tout cas, c'est qu'on a parlé des jeux en soi.
mais on a surtout parlé de vos souvenirs, comment vous avez découvert le jeu marquant. DG, là, il m'a l'histoire avec la meuf, là, qui... comment ça s'appelait, Delphine, c'est ça, dans Florent, ça. Non, mais c'est ouf, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu as tenu compte du fait que maintenant, tu as tellement marqué que tes personnages sont féminins. Ça, ouais, c'est fou, hein. C'était vraiment c'est par fou. Rapport à la tenue c'est qu'elle fou. Avait, les objets qu'elle utilisait, je me suis dit, oh, putain, c'est trop classe, un perso féminin, j'ai envie de jouer un perso féminin. Parce qu'à l'époque, quand t'as 14 ans, tu te poses pas la question, tu veux jouer un mec. Et oui. Je me suis dit, ah putain, jouer une femme, c'est quand même cool. Ah non, mais c'est sûr, c'est une anecdote sublime. Franchement, elle va me rester gravée là. Comme quoi, que... DG n'est pas si macho que ce que l'être. Pas du tout, pas du tout. Et les mecs, un dernier souvenir, Canon Spike sur Dreamcast était super sympa. Ah oui, Canon Spike avec Camille. J'ai acheté une Dreamcast américaine à la base pour ce jeu. Ouais. Parce qu'on l'a pas, il me semble qu'on l'a pas eu en Europe. Non, pour moi, c'est américain et japonais. Très cher. Canon Spike, un run and gun super sympa. Il est très cher en version européenne. Je crois que je l'ai encore quelque part, je pourrais peut-être le faire gagner. Et Biggie, on n'a pas parlé de Rival School aussi. Oh, Project Justice 2. Oh là là. Mais il y aura toujours, je pense, dans les commentaires, les gens vont nous dire « Ah, vous avez oublié ce jeu. Crazy Taxi, on a failli l'oublier, tu vois. Ouais. » Il y a deux épisodes en plus. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi je dis Rival School, mais non, c'est, t'as raison, Projet de Justice, il m'a clairement marqué. Ikaruga, Ikaruga, Ikaruga. Ah bah ouais, Ikaruga, qui était ressorti sur GameCube également. Sur GameCube, ouais. Alors attends, j'ai une anecdote quand même qui m'a marqué sur le Rival School. Hein. C'est que, en fait, à force de. Tu sais, les jeux Dreamcast, des fois quand tu sortais la notice, t'avais la cover de devant qui partait un peu avec la notice, ouais. Tu vois. T'étais obligé de la réincruster. Ce qui arrivait aussi des fois sur les jeux PS1. C'était très très chiant sur Dreamcast. Les boîtes, ils se pétaient tout le temps, tu sais, les picots là. Très fragile. Et du coup, un jour, j'avais, à force de retirer la jaquette, elle était toute frottée en bas, la jaquette du projet de Justice. Du coup, je me suis dit, bon, elle me fait chier cette jaquette, bah, je vais couper. Du coup, j'ai coupé toute la partie basse, et c'est encore le jeu que j'ai. Hein. C'est mon exemplaire d'époque. Et aujourd'hui, quand je retombe sur le jeu, je me dis, qu'est-ce que t'as fait, Khaled, franchement. Quelle connerie t'as pas fait. Ouais, non, mais c'est des conneries avec la boîte, mec. Faut juste pour la petite anecdote, tu sais que Davy, il a le full set blister du jeu, de la Dreamcast. Ah ouais, en balle. Ouais, Davy, il a le full set blister de la Dreamcast. Bref, il est venu pendant le live. En fait, j'ai fait un gros live avec Monsieur Garcin, Khaled et Gunhead. Je sais pas si tu connais Gunhead. Gunhead, c'est un vieux YouTuber un peu plus âgé que nous, quoi. Gunhead TV, qui est spécialisé micro et PC Engine, mais il est beaucoup Sega d'ailleurs, aussi. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur la Dreamcast récemment. Ah ouais, incroyable. Elle a dépassé les. Elle a fait énormément de vues, sa vidéo. Hein. Ah ouais, elle a cartonné. Ouais. Un dossier DG, un peu à la Padawan HD. Hein. C'est-à-dire que le mec, il s'est cassé la tête. Hein. Il s'est cassé la tête. Un travail monstrueux. Un gros dossier. Hein. Très bien. Mais oui, ouais. Du coup, on a pu voir la collection. Enfin, la collection, on a vu une partie de la collection de Davy. De Davy qui nous l'a montré en live. Il a des Dreamcast où il y a genre 30 exemplaires dans le monde. Ouais, 200. Non, peut-être pas 30. Ouais. Il y en a une qui recherche. La dernière. Celle de Sonic, là, du concours, il y a 30 exemplaires, ouais. Je crois. Est-ce qu'il a la Dreamcast Resident Evil Code Veronica? Mais oui. Il a les deux. J'ai appris l'existence de cet exemplaire avec GT Gabi, qu'il a acheté pour 1000 euros. Il l'a acheté pour 1000 euros, je crois. Alors, il a raconté l'anecdote dans le live de Colic, il était venu. Il l'avait raconté en chat. Non, c'est vrai que c'est... Bon, en tout cas, les amis... On va se canaliser parce que là, on a dépassé largement les délais partis. On va quand même prendre le temps pour finir toujours par la conclusion habituelle. Hein. On s'excuse déjà auprès de la communauté. Effectivement, on ne peut pas tout citer. C'est une console qui nous a tellement marqué, la dernière console Sega, qu'on a forcément omis de rappeler certains jeux marquants. Mais les commentaires sont faits aussi pour ça, hein, pour échanger entre nous, pour discuter. Mais là, je veux poser une question à DG. Si... Même si j'ai déjà un peu la réponse, hein, mais si une personne vient te voir, DG, et te dit, bah écoute, DG, je suis super content, je me suis rechopé une Dreamcast. Maintenant, j'aimerais bien me choper 3 jeux. Qu'est-ce que tu me conseilles? Bah c'est dur. J'aimerais bien lui conseiller Phantasy Star Online, mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de le faire uniquement. En 2021. Ouais. En 2021, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de le refaire que offline. Je lui conseillerais évidemment Shenmue. Ouais. Le 1 et le 2. Non, je les prends pour un seul jeu. Hein, le 1 oui, et le 2. Oui, t'as raison.
Un Jet Set Radio. Ah ouais? Faut le Ah, ça faire, va pas le pour. premier Jet D'accord. Set. Ah ouais, pour l'ambiance, pour le gameplay. Pour se replonger vraiment dans ce qu'était la Dreamcast à l'époque. Ouais. Et peut-être un Versus, non? Moi, j'aurais pensé que t'as un Virtua Tennis, mais. Ah, Virtua Tennis, je pense qu'il a vieilli, j'ai pas retouché depuis l'époque, les mecs, hein, Oh, ça je fait pense 20 ans qu'il que j'ai est pas bon à retouché. jouer encore. Le 2, ou un petit Sonic Adventure. Je t'influence là déjà. Non, pardon, pardon, je te laisse. Non, non, un J'ai envie de... Versus. Non, mais j'ai envie de dire un truc sur Sonic Adventure. Non, je ne conseillerais pas Sonic Adventure parce que c'est des jeux qui ont extrêmement mal vieilli, les deux, Ouais, malheureusement. je suis C'est des d'accord. jeux que j'ai adorés quand j'avais 14-15 ans, mais, bah, non, mais la vérité, c'est que ça a très mal vieilli. Il y a un Sonic Dreamcast que j'ai jamais fait, hein, c'est le Shuffle. J'ai jamais. Un jeu qui n'a pas bougé, dont on a parlé tout à l'heure, Marvel versus Capcom 2, parce que Et là, c'est bravo, bravo. indétrônable, les Très mecs. bon choix. Très bon Très bon choix. choix. Et juste pour glisser un mot, parce que je voulais en parler, parce que c'est ça qui a signé pour moi la fin de la Dreamcast, je crois que c'est le dernier jeu qui est sorti en Europe, c'était Sonic Adventure 2. Je l'ai acheté, je crois que c'était en juin ou juillet 2001. C'est un jeu que j'ai fait à 100%, je l'ai retourné dans tous les sens. J'ai eu tous les rois qui débloquaient à la fin Green Hill Zone en 3D. Oh là là. Attention, c'était ouf. Un jeu ouais, qui est sorti à la fin de la Dreamcast qui était mortel à l'époque, mais qui a extrêmement mal vieilli, que je ne recommande pas. Il fallait être Ah, là à l'époque, encore une fois. mon fils y joue, c'est ouf, hein. Moi, je trouve pas qu'il a si mal vieilli que ça parce que c'est mon neveu. Mon neveu aussi l'a refait récemment. Il a 11 ans. Ouais. Et alors après, ils ont peut-être un regard différent, c'est-à-dire que toi, tu l'as connu à l'époque et aujourd'hui. C'est pour ça peut-être que tu as un vrai regard critique. Et je vois ce qui est passé par là, et je vois qu'un jeu comme Crash Bandicoot 4, qui est sorti l'année dernière, qui a quasiment pas fait parler de lui, reprend des bases de Sonic Adventure 2 et fait tout 10 fois mieux. C'est formidable ce qu'ils ont fait. J'ai adoré Crash Bandicoot 4. Non, c'est vrai que c'est un bon opus. Un bon opus. Et toi, Bigly, si tu devais conseiller trois jeux? Ah, moi, le problème, c'est que je suis pas objectif parce que j'aime trop les jeux de Versus, mais moi, je mettrais Power Stone 1 parce que j'ai vraiment un super souvenir dessus. Je mettrais, enfin, pour essayer de varier un petit peu les plaisirs, est-ce que je mettrais un truc bien marquant? T'as connu Speed Devil? Ah, Speed Devil, ouais, mais bon, je le connaissais sur un Il y micro avait un déjà. online, hein. Il y Ouais, en avait ah, un il y avait online. Online, il y avait Online. On n'a Je pas parlé mettrais. d'FPS. Non, bah, Quake 3 Arena, il était ouf. Mais bon, ça a très mal vieilli. Moi, j'y Ok. jouais online, donc voilà. Donc, je mettrais en deuxième, je mettrais Resident Evil Code Veronica, parce que c'était vraiment un des premiers qui a été fait en 3D. Et puis, c'était un épisode exclusif. Bon, maintenant, c'est plus trop le cas, mais si vraiment il veut se replonger dans l'ambiance de la Dreamcast. Et puis, ben, Power Stone, et puis je dirais Third Strike, tu vois. Strike. Alors que moi, je serais plus réaliste terre à terre parce que je connais un peu l'aspect pécunier de la situation. Sur Strike, il est cher. Hein. Il est très cher. Moi, franchement, je lui dirais Virtua Tennis 2. Je pense que c'est le fun tout de suite assuré. S'il veut jouer seul, il a le mode carrière qui va lui prendre un temps fou. S'il veut jouer à deux, bah, le fun est tout de suite là. Et puis, c'est un jeu qui est vraiment pas cher et très représentatif de ce qu'on pouvait avoir à l'époque de la Dreamcast, je pense. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense que je mettrais MSR parce que, Ouais. pareil, c'est un jeu tout de suite où le fun est là, qui est pas cher, qui est Et qui est encore profond, actuel, hein, il est profond, il y a qui est beaucoup profond, de. et puis il est encore dans l'air du temps, visuellement parlant, tu vois. Et en dernier, je mettrais, pour être réaliste, en versus fighting. Je serais quand même obligé de mettre Marvel versus Capcom 2. Même s'il est quand même assez cher, pour moi, il y a tout ce qu'il faut dans ce jeu-là. Même en Jap, il est cher. Non, en Jap, il est largement accessible. Après, certaines consoles PAL, ça dépend du numéro de série, mais Oui, tu peux il y a des faire consoles, passer. Ouais. ouais, on peut tout faire passer avec. Un petit jeu sympa qu'on peut conseiller aussi, c'était un concurrent à Metal Gear et Siphon Filter, c'était Oui, 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 Headhunter. j'ai oublié ce Très nom. sympa. Comment il s'appelait? Headhunter. Headhunter. Ah Headhunter. oui, ah non, je pensais qu'il y avait un autre. Il me semblait qu'il y avait un Non, autre tu parlais jeu. de Non, c'était sur mission. PS2. Il y en a un Mais autre oui, aussi. Headhunter avec en moto où t'étais avec un mec avec des lunettes là. Ouais. Il était Ouais, t'as super un chapeau sympa. de plume. Ouais. Et putain, il y avait un jeu aussi de sniper. Comment il s'appelait ce jeu? Silent Scope. Silent Scope. Ouais, Ah, Silent Scope. il était mortel, celui-là. Ouais. Super cool. Mais même, il y avait The Nomad Soul aussi, au Ah micro. bah oui, forcément, David C'est Cage. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il y a des trucs qui. On va s'en Ouais, même, souvenir il y de avait, grâce à ça. la meilleure version de Soul River, elle est sur Dreamcast aussi. Ouais. Absolument, Ouais. absolument. Non, très belle ludothèque, la Dreamcast. Alors, en version PAL déjà, alors si on prend la version Jap, il n'y a rien à dire. En tout cas, les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à évoquer la dernière console de Sega ensemble.
avec DG aussi qui avait vraiment, tu nous as régalé. On a savouré toutes tes anecdotes. Bah, merci de m'avoir invité les mecs, parce que vraiment ça m'a replongé dans les souvenirs d'il y a 20 ans, ça m'a fait très plaisir. Particulièrement épaté par ta mémoire en fait, t'as une mémoire. Moi j'oublie quasiment tout. DG se rappelle tellement de choses. Non, mais après, depuis longtemps. J'ai des souvenirs très très forts avec cette console. Je pense que tout est lié à PSO, Shenmue, à certains jeux. Tu m'aurais invité pour parler de la PS2, on aurait parlé de certains jeux, mais j'ai pas du tout ce rapport. La GameCube peut-être. La GameCube, c'est peut-être la seule autre console avec laquelle j'ai un rapport de ouf. La Dreamcast. Et le Drive aussi quand même. Ouais, mais c'était l'enfance. Alors que là, c'est l'adolescence, tu sais, c'est le collège, le lycée. C'est très très spécial comme période. Ouais. Bah c'est la période où j'ai connu la Mega Drive SNES, du coup je vois bien ce que tu veux dire. Je vois clairement ce que tu veux dire. J'aimais cette période. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, les amis. Biggie, je ne sais pas si tu as autre chose à dire, un mot. Non, tout a été dit. Tout a été dit, je pense. Bah, déjà, on te remercie encore. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent. On s'excuse déjà au préalable un peu de la longueur de la vidéo, parce que forcément, quand on se lance, on a du mal à s'arrêter, hein, surtout sur une console comme ça. Par contre, moi, j'aimerais vraiment beaucoup échanger avec vous autour de commentaires. Je fais souvent des premières. Je ne sais pas si je ferai une première sur cette vidéo-là. Mais quand on fait une première, je trouve franchement que les personnes qui viennent assister à la première, elles sont passionnées de ouf. Ils ont des anecdotes à me raconter. À chaque fois, je dis, mais j'avais oublié ça, effectivement. Donc, si ce n'est pas le cas, il y a toujours la zone des commentaires pour ça, pour nous rappeler certains souvenirs qu'on aura peut-être oubliés, ou au contraire, nous faire découvrir certains jeux. Il y a aussi quelques jeux de Dreamcast qu'on n'a peut-être jamais essayé aussi, qui méritent peut-être d'être essayés. En tout cas, les amis, je vous remercie beaucoup. Et puis, le mot de la fin, c'est à très vite, les amis. À plus. Ciao, ciao. Salut. À plus, DG. Ciao, les mecs. Ciao, ciao.